Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ça va les potes? Tout se passe bien? Qu'est-ce qu'il dit, Dumps? Avec mon ami, on est en train de faire une espèce d'aspect parce qu'en tant que gardien, pour le moment, ça donne des résultats pas trop dégueux. Absence égale avantage Spider-Verse pour le moment, on attend de plus de ça pour régler. Ok, ok. Tu me tiendras au jus, tonton. Ça va sinon? Vous avez passé un bon week-end, les potes? Je vais vous raconter mon week-end, les amis, vous allez voir. Hécatombe totale, malade et re-malade. C'était assez incroyable. Jamais été autant malade de ma vie, je crois. Genre, j'ai dormi presque, je sais pas combien d'heures. De 19h à 11h du matin. Voilà, donc tu fais le calcul. Fiévreux, tel un covidé, quoi. Ouais, Shizomi, salut Sido, ça va ou quoi? Bien, tranquillou les potes. Donc vendredi, PLS total les potes, grosse, je sais pas, j'étais KO, obligé de dormir, peu d'appétit et tout, c'était dur. Hier, je vous raconte pas, c'était pire. Malade, c'était la folie cette histoire. Et c'est Lunagique, ça va ou quoi? Et aujourd'hui, ça commence à aller un peu mieux. Je pense que j'ai un peu de fièvre. Et du coup, quand je prends un petit Doliprane, ça commence à mieux le faire, tu vois. Mais au bout de 6 heures, je sens que ça commence à redescendre. Donc, je crois pas que j'ai les symptômes du virus parce que je respire bien, tout va bien. Ça devrait faire. Mais j'ai les amygdales gonflées. J'ai les amygdales gonflées. Donc, en fait, je pense que j'ai une angine. Et en fait, vu que ça fait un moment que je la traite, ben, je pense que ce week-end, elle m'a mis un stop, tu vois. Salut Nagique, salut Valou, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Et du coup, grosse PLS parce que si tu as du goût et de l'odorat, j'ai du goût et de l'odorat, ouais. Ouais. J'ai du goût et de l'odorat. Et du coup, ouais, grosse PLS, je fais que dormir. Et aujourd'hui, j'ai eu une fatigue, j'ai essayé de dormir cet après-midi et je suis pas arrivé à dormir. J'étais calé, mais j'arrivais pas à dormir. Donc je me dis, c'est bon signe, c'est que ça revient un petit peu. Salut Obakim, ça va ou quoi qu'est-ce qu'il dit? J'ai aussi installé ma nouvelle, vous allez voir, je vais vous montrer. Il y a des trucs qui sont arrivés là les potes, hein, ça c'est incroyable. On va se relire la news de la commu ensemble, histoire de critiquer parce qu'on aime ça. Et puis après on va aller jouer DD3. Comment ça s'appelle? DD3, Choc, bien sûr, évidemment, et du raid, et on commencera par le raid, parce que c'est la famille. Bonjour à tous, salut les potes, welcome, ça va ou quoi? Alors vous avez vu la caméra un petit peu bouger, c'est normal, je vais vous montrer pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit, ouais, ça va ou quoi? Salut à tous les amis, bienvenue en ce dimanche incroyablement sablé, incroyablement au paprika, j'ai envie de vous dire. Perso, j'ai pas compris les news. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose en fait. Il n'y a pas KO. Ils nous ont fait. C'est une petite news pour une semaine de mise à jour, je trouvais. C'était pas incroyable. Voilà. Qu'est-ce que t'as pas compris, tonton? Bon, je vous montre. Vous avez vu, la caméra est un petit peu plus haute. Salut Pouletta, ça va ou quoi? C'est quoi cette tête? fais gaffe parce qu'ici les têtes, on est chargé. Hein. Je préfère te le dire. On a la mienne déjà là. Hop, deuxième. Et hop, je te montre, celle-là, c'est la meilleure, c'est Jean-Michel Baptiste. Salut Vega, ça va ou quoi, qu'est-ce qu'il dit? Salut Ghost Gaming, salut Étalon, welcome les potes, ça va? Salut Rose Rome, ça va ou quoi? Bonjour à tous. Vous avez passé un bon week-end? Vous avez passé un bon week-end? Bon, salut Sakar, est-ce qu'on commence à compter tes jours de confinement en centimètres de barre? J'ai pris une photo au début. Aïe. Elle est chargée. Mais en fait, pour l'instant, elle part pas trop en couille, mais elle est un peu chargée, ouais. J'en peux plus de ce choc, tu m'étonnes. La dernière partie des news avec les technomystiques. Ah, on va y aller dessus. On va y aller dessus. Fini les phases, GG, ça, et ça, Jean-Michel Patti, c'est incroyable. Première petite chose. D'abord, je vais vous montrer un petit peu, parce que mon bureau, il a un peu changé. Ceux qui sont sur Discord ont dû le voir.
j'ai surélevé mes écrans en fait, donc maintenant la vue sera un peu plus haute. C'est pas trop choquant normalement, donc attendez, je vais vous montrer un petit peu. Hop, toujours la planche à repasser bien sûr, donc le nouveau micro hein, qui est parti dans un angle, et voilà. Voilà, vous voyez maintenant en fait mes écrans sont plus hauts, ce qui fait que je ne me bute plus le dos en étant là. J'ai mis mon iPad parce que le jeu bug grave sur BlueStacks, et en fait je me suis dit je vais le prendre au cas où comme ça, parce que des fois il devient tout blanc. Comme ça au moins si jamais il bug, je pourrais le brancher direct et vous le verrez comme si c'était BlueStacks. Du coup j'ai tout surélevé là, donc c'est pas mal, donc je vais essayer de vous montrer un peu. Donc hop, en fait vous voyez j'ai un écran que j'ai mis en portrait. Hop. Donc celui-là pour jouer qui est bien plus haut maintenant, donc ça me fait moins mal au dos quand je joue. Hop. Et le Mac qui est là, avec le poète bien sûr. Et ça c'est le truc pour connecter mon iPad au cas où ça déconne. Donc c'est plutôt cool, je suis assez content, on a installé ça hier avec ma chérie, c'était vraiment cool. Apéro vidéo hier soir, ah ouais. S'amuser sur BlueStacks depuis la mise à jour, ouais, bah tu, autant je vais lui envoyer un message. J'ai cru voir un poster de Samantha Fox, ah je pense pas. Et la musique est super forte. Merci Étalon qui s'abonne avec son Prime, deuxième mois, merci beaucoup gros. Je suis en train de me dire que la musique est super forte. On aime bien la musique, mais faut te détendre quand même. Voilà, là ça va mieux. Merci beaucoup, et voilà, ça poète dans tous les sens. C'est ça qu'on veut, c'est de l'avalanche de poète. J'ai mal, j'ai claqué 2000 noyaux pour la recharge. Énergie, résultat, 3G13. Ouais, tu m'étonnes. Moi aussi, ça, moi j'ai claqué, je suis à 1004 ou 1005 là, et je vais pas finir. Salut Milka, KCD, ça va ou quoi? La phase à NIF a été rallongée d'une journée. Ah bon? Non, je crois pas. Non, c'est normal, là. C'est normal, tonton. À mon avis, c'est un petit peu normal, rien n'a bougé. Putain, qu'est-ce que ça rame sur BlueStack? Je crois que j'ai bien fait de prendre l'iPad, on va jouer sur l'iPad, je crois, parce que c'est une horreur. C'est... Oh la vache, mais qu'est-ce qui se passe? Et Valouyou qui augmente son abo, merci tonton, ça fait plaisir, c'est la famille, avalanche de tête. Merci beaucoup. Non, je pense pas tonton, je pense pas. Ah là, et sa poète, regarde-moi ça, c'est beau. Je sais pas, en tout cas, bon, moi j'ai fini perso la phase. Vous en êtes où les amis, la phase, la commu, vous en êtes où dans la phase? Vous avez bien avancé, vous avez fini, vous avez... Bon, moi j'ai passé quand même, j'ai bien avancé grâce à cette phase, j'ai Colossus qui est presque G14. Et ça se fait plaisir, finish, ouais, c'est sa tête, dans tous les sens, c'est incroyable. Fini hier. Ok, on va se regarder un petit peu, hop. On va se regarder un petit peu cette petite news, hein, se la relire, tranquillou bilux. On va essayer de faire quelque chose de propre, parce que là, c'est pas incroyable. Hop, alors attends, tac. Bah après, ça va être encore mieux, je vais avoir un stream deck, et là, je pourrai faire tous les changements, ce sera beaucoup plus simple. Je devrais le recevoir, j'espère demain. Voilà, hop là. Qu'est-ce qu'il dit, Overall, ça va ou quoi? C'est la guerre en GA pour les éclatifs. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah, il va y avoir un... Moi, ça va, je l'aurai. Parce qu'il va y avoir un choc, les amis. Il va y avoir un choc. J'en suis de très loin de la fin. Ah ouais? Ah, faut tout donner, je pense. Je pense faut tout donner, les amis, parce que c'est maintenant ou jamais. Hein. En vrai, c'est maintenant ou jamais. Bon, cette petite news de la commu, les potes. Cette semaine, nous cherchons l'inspiration, blabla. Bon, ça, c'est l'intro, on s'en fout. Choc communautaire. Alors là, il y a des trucs qui sont pas mal, les amis. Ils nous ont mis la scientifique suprême en choc. Et ça, pour ceux qui n'ont pas cette étoile, c'est plutôt sympathique. Donc moi, je l'ai cette étoile, mais je trouve ça bien. Parce que bon, voilà, c'est quand même un perso qui est aussi OP pour l'Ultimus 7. Donc ils auraient pu mettre un perso pire, quoi. Tu vois, de la merde, en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Celui de Sif, donc ça, on le savait. Et l'autre, c'est quoi déjà? Et l'autre, ça sera ou Miss Marvel ou Iron Fist. Donc, je pense que ça va. Ah, il y a une RS qui est tombée, je l'ai pas vu. Ah oui, bien vu. Il y a une RS, bien vu, Dedems. Ça marche. Du coup, ce sera ou Miss Marvel ou Iron Fist. Donc, plutôt pas mal, surtout pour le early mid game. Après, plus tard, c'est des persos qu'on a assez rapidement, cette étoile. Tac, donc pas déconnant. Nouveau palier des succès. Alors, les nouveaux paliers de succès, les amis. Qu'est-ce que c'est? On vous dit tout, hein. On est quand même dans le... Les succès, c'est ça. C'est ça, en fait. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Succès, gain d'étoiles. Quand on va up, quand on va gagner des étoiles au-dessus de 725 fois, 725 étoiles, il n'y aura plus d'éclats de Hulk et d'or. Ce sera remplacé par des fragments d'or et de l'énergie de campagne. Et après, c'est pareil, tu vois, au-dessus des jours de connexion 720, ce sera des fragments d'orbes, d'étoiles rouges et des noyaux d'énergie. Et après, il y a des paliers aussi ajoutés pour chaque personnage quand on débloque, tu vois, genre quand tu as 24 personnages mystiques, par exemple, et ben ce sera des orbes d'or et des noyaux d'énergie et plus du Hulk et des conneries comme ça, quoi. Tout simplement. J'aimerais choper direct Black Bolt 6 étoiles. C'est quoi ta team hero cosmique pour Proxima? J'ai pas regardé du tout. J'ai pas regardé, tonton. Je sais pas. Ça, mais j'ai la blinde de gros personnages, donc ça va. Après, les campagnes, franchement, c'est pas trop... T'as pas besoin d'optimiser tes teams, en fait, si tu veux. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Plus le gros vert, il y en avait marre de lui. Ouais, et peut-être, tu vois, quand t'entends ça, tu te dis, est-ce que on va pas avoir de la chance? Et ils vont nous virer Wolverine. Ils vont nous virer Wolverine des objectifs quotidiens un jour. Peut-être. Maybe, les amis, ce serait quand même assez incroyable. Légendaire, Magneto, donc plutôt cool. Et Fête des Voisins, et ça par contre, la Fête des Voisins, on est plutôt content, c'est plutôt sympathique. Donc ouais, une petite news, voilà, il va se passer ça. Il va falloir choc. Le choc, c'est la vie. Fait du choc, choc, quoi. Donc plutôt pas déconnant. Voilou. Hop, on passe au game. Tac, tac. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? On a beaucoup de choses à faire. On va commencer par les raids, les gars. Parce que mes chocs n'ont pas encore rechargé. Alors, en choc, je suis où? Je vais vous dire ça tout de suite. Je suis en terme de choc. Je suis à 16,8 millions. Je suis un petit peu en retard. Mais je devrais atteindre les 20-21 ce soir. Sans trop de soucis. Avec le refil de lundi. Disparition de Wolverine, un rêve depuis 2 ans. Il y a des éclats intéressants dans les 20 campagnes Proxima. Vous avez vu? Du Sif. Ouais, il paraît qu'il y a du Sif, ouais. Où est-ce qu'on peut le voir, ça? Il paraît qu'il y a du Sif, mais info ou un tox, ça? C'est ça, tu crois? Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je crois que c'est en datamine qu'ils ont dit ça. Ça doit être en datamine, tonton. Dégage, Logan! Laisse-nous tranquille! Ça doit être en datamine, je pense qu'ils ont... qu'ils ont écrit ça. Fais voir un peu. Discord. Marvel Strike Force. Datamine. Le datamine. Alors. Je vois rien. Je vois rien, mais... Écoute, je vois pas. Je sais pas. Ce serait pas mal, c'est du Sif, ouais. Ce serait pas mal, ouais. C'est dans les orbes? Quels orbes? Ah ouais, l'orbe du vide spatial? Sérieux, ils ont déjà mis les orbes? Ah, l'orbe du vide spatial. Ah ouais. Ah oui, bien vu. J'ai même pas vu. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Alors. Karnak. Cristal. S'il y a cristal, il doit y avoir... Ah non, il y a que cristal, d'accord. On peut. Amdal. Il y a du Sif, ouais. Bon, après, c'est 8-5. Entre 5 et 8. Ça va être chaud, je pense. 10% sur elle. Ouais, c'est cool. Franchement, en vrai, c'est cool. En vrai, il y a des bons persos, en vrai. Crystal, ça, je dois pas l'avoir 7. Ghost Rider, c'est cool. Ghost Rider, perso totalement oublié de la part des joueurs américains. Easy, franchement, je pense que la Sif, ça va y aller. Hein. 6 millions, ça suffit pour le 6-10% de crâne rouge. Je pourrais pas te dire... fais voir à combien d'ailleurs, j'ai même pas regardé les... Oh la vache, 21 millions le top 2000. Oh, je l'aurais jamais.
Ah là 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 là, ils ont mis trop là. Ouais, et apparemment ça serait bon, Valou. Hein. Mais bon, donne plus, moi je dis. Hein. Pas de couper les griffes. Wesh le Rhino, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Bon, allez, go raid, après on va choc les amis et on va faire un petit tour au 2D Détroit. Et ça, quand même, c'est la famille. Tranquille, c'est la famille. Tac. Ouais, salut MSF, ça va ou quoi? Je fais chauffer le Greg. Du coup, de type assez malade, hein, les amis, ce week-end, c'est assez incroyable. Et, putain, mais qu'est-ce que ça rame, Bluestax France, là, c'est une horreur. Et voilà. Il y a un truc que je vais vous dire aussi par rapport à ma deuxième chaîne, celle où il y a les VOD, je me suis aperçu qu'en fait, c'était grave pixelisé, les VOD. Et je comprenais pas pourquoi. Et j'ai fait mes petites recherches, les gars. Et en fait, j'ai trouvé pourquoi. Et donc, normalement, ça devrait plus l'être à partir de bientôt. Bientôt, ça ne sera plus. Là, il y a encore cette semaine où il y a des vidéos qui vont sortir dessus qui vont être un peu pixelisées. Mais après, normalement, ça devrait le faire. Les joueurs ont moins joué sur ce choc CR, tu crois? T'es sûr? Parce que les prédictions sont plus hautes. Hein. Moi, je vais tout donner. Mais j'ai peur. Franchement, je sais pas. Wesh Captain, ça va ou quoi, qu'est-ce qu'il dit? Bien le week-end, malade comme un chien. Covidé à bloc. Non, j'ai eu de la fièvre un peu, du coup j'ai dormi tout le week-end. Tu le fais quand les reviews des news? Je le fais dès le début en fait, on l'a fait déjà. On le fait dès le début, direct, bim bam. Et comme ça, on passe au beau jeu, bien sûr. Voilà, peut-être du provoque. Oh là là, mais quel Wolverine! Assez incroyable ce personnage. C'est les derniers Alpha 4 aussi là, les gars. C'est les derniers Alpha. T'as vu le kit de Cul Obsidian? J'ai jeté un œil vite fait dessus, mais je me suis pas arrêté dessus. Ouais, ça dit quoi? C'est bien? Plutôt sympa? Plutôt. Qu'est-ce que ça raconte? Dis-moi. J'avoue que je me suis pas penché sur le truc, quoi. Mais je l'ai vu, ouais, passer un temps, ouais, je l'ai vu. Je suis à 3 millions en choc, j'en peux plus. Je suis à 16 millions, j'en peux plus. J'en ai raté un nombre pas possible. On va peut-être aller farm aussi un petit peu, là, parce qu'à 50 noyaux, là, il doit me rester 1500 noyaux. Peut-être moyen d'aller farm 2-3 trucs, là. Salut Nigum, ça veut quoi qu'est-ce qu'il dit? C'est pas trop fort la musique les potes? J'ai passé le million de rosters ce week-end, GG ça tonton. GG, c'est beau. Tac. Putain, il y a le Jean-Guy. L'event de phase. Comment ça s'appelle? Symbiote. Parce que j'ai 4 millions d'or. J'ai un nombre de trucs à up incroyable. Là, ça sent le blob étote dans ma team confrérie, les potes. Hein. Je vous le dis, dès qu'il arrive l'event, je les monte direct. Tous mes hydras sont finis. Il n'y a plus qu'à aller G12. Il faut de la team. Il faut de la. Comment ça s'appelle? Il faut de la. Du tech, en fait. Et pour avoir du tech. Pourquoi je balance mes sorts comme ça? J'ai juste un skill. Hein. Et le temps que tu farmes le tech, t'en as pour 18 ans, quoi. Donc je vais monter d'autres trucs en attendant. La musique est peut-être un peu forte. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. On va la mettre plutôt par là, tu vois. Là, je voyais bien que le truc était un peu plus haut que d'habitude. Bah, tu up Colossus et Todd. Mais carrément que je vais les up. J'attends que ça. J'en pense que j'attends que ça. Voilà. Et après, on va tester ça. Mais ça a l'air vraiment fort. En tout cas, il n'y a que des bons retours dessus. Il arrive quand les 20 avec le Wakanda? Je sais pas, tonton. J'ai pas d'infos. Et en plus, je te dis, j'étais malade tout le week-end, donc j'ai pas jeté un œil ni à Discord, ni à YouTube,
ni à... comment ça s'appelle Et Nico qui s'abonne pour son 7e mois. Merci tonton, ça fait plaisir. Merci beaucoup, on peut pouetter cet homme. Je suis pas passé sur YouTube, je suis ni passé sur l'Envoy, je suis passé nulle part en fait. Ce week-end, j'ai fait que dormir. J'ai fait ma dernière rotation et je stoppe cette saloperie. Ah, qu'est-ce qu'on tue là? Je suis arrêté à 2,5 millions sur CR, j'ai trop donné sur Gamo. Merci Nico, ça fait plaisir. Y'a pas une rumeur Eventeres avec la Wakanda? Si, c'était pas une rumeur, c'est eux qui l'ont dit. Salut Nico, ça va ou quoi? Bah tranquillou et toi? Qu'est-ce qu'il raconte? On va vite aller buter le gravifiant. Pourquoi j'ai skill 3 là? Tac, tac. Tu te calmes. Pouette, pouette, là. Julie, qu'est-ce qu'elle dit? Ça va ou quoi? Et ça pouette dans tous les sens. Je choque sous la douche, je choque sur le trône, je choque en dormant, mon fils choque, je choque... aïe, 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 je te jure. Cette heure du confinement, c'est une horreur. C'est plein de cul, hein. Plein de cul. Ça va. Bah, j'ai été très malade ce week-end. Et là, je commence à revenir d'entre les morts. Donc ça fait plaisir, mais ça a été dur. Hein. Oh, j'ai dormi vendredi, je me suis endormi à 19h. Je me suis réveillé à 11h le lendemain. C'était horrible. Hier, c'était compliqué aussi. Je me levais, j'arrivais à tenir une heure, puis je me rendormais. C'était horrible. Et là, aujourd'hui, ça commence à aller un peu mieux. Je crois que j'ai une angine, l'angine du youtubeur, c'est connu. Sur son passif, à chaque fois qu'un adversaire attaque Thanos ou Ebonimo, il contre-attaque pour 220% de dégâts. À chaque fois qu'il passe sous 75, 50, 25% de vie, il gagne un indestructible. Ah ouais, et avec régénération, il gagne 1000% de résistance sur son skill 3. Il inflige 150% de dégâts plus 25% de dégâts par indestructible. Sur son skill 2, il provoque, il se soigne de 20% et gagne un indestructible et son skill juste du dégât. D'accord. Salut Jerel, ça veut quoi qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit hein? C'est normal l'ultime d'Ultron qui fait 24 de dégâts sur crâne rouge. Bah ouais, s'il a encore des charges, ton crâne rouge, tu lui fais 0 dégâts. Normal. Tant qu'il a des minions et qu'il a des charges, tu peux pas le tuer en fait. Du coup, t'as pas vu la dernière nouvelle? Scopelli a vendu MSF aux hôpitaux de Paris. Dans un dernier souffle, les hôpitaux ont décidé de terminer tous les hôpitaux de France, de Paris, de France. Ils se sont dit, on va racheter MSF, comme ça on est sûr que tout se casse la gueule. Conclusion que l'obsidienne est le Hulk de l'Ordre Noir. Ouais, vu de nez, c'est pas non plus incroyable. Hein. On dirait un tank de base, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je t'en remercie, Cassidy, ça va ou quoi? Salut Jean-Michel Platiste. Info US. On est d'accord, après cette crise, ça va manifester dur pour demander la démission de Macron. Hein, sans être bidon. Putain, mais je suis en train de me faire défoncer mon... je me disais aussi. Ce qui me sert d'avec dans cette team. Possible, ces handicapés, là, il y en a marre. Ouais, je sais que ça vaut quoi, qu'est-ce qu'il dit, le confinement, le week-end. Bah, le confinement et le week-end ont été la même chose, j'ai été malade, j'ai dormi tout le week-end, moi, donc j'ai pas vu la diff. Ça a été vite vu. Ça a été un peu vite vu. Ça donne la GA. Non, mais nous, le week-end, on GA à midi ou 15h, un truc comme ça, donc c'est fini, chez nous. Et on perd tous les week-ends, on perd, nous on joue pratiquement pas en fait, il y en a beaucoup qui la jouent pas. C'est vraiment relax, don't you eat, to get to me, to get to eat.
Salut Mastoc, ça veut quoi qu'est-ce qu'il dit? Ah, salut Minbol. Salut Quex, qu'est-ce qu'il dit? On voit les performeurs. Les performeurs du confinement. Vous croyez vraiment que ça va être 21 millions le top 2000 là, les gars? C'est pour de vrai ou pas? Ou c'est une blague? Est-ce que je vais finir 2001ème et je vais être au bout de ma vie? Alors, t'as eu des RS sur Proxima Mina, j'ai eu 3 RS, je crois. Oh, j'ai eu une RS à ouvrir d'ailleurs en parlant de ça. J'étais en train de zapper là. Lolo, sur son skill 3, j'ai oublié, il se transfère les effets positifs de la cible. Ah, ça peut pas être déconnant. Ça peut pas être déconnant suivant ce qu'il attaque. Tiens, faut que j'ouvre une RS. Elle est pour Dumps, celle-là, les potes. Elle est pour Dumps. Elle est pour Dumps. Le 7 RS sur Proxima, peut-être de la part du joueur français Dumps. Ou pas. Comment on dit dans le jargon. Salut Fredo, ça va ou quoi, qu'est-ce qu'il dit? Tu seras top 1 platiste. J'ai fini les phases de l'anniversaire, GG. GG, GG. Juste pour toi, ce sera 21 millions. Ah, mais de toute façon, j'y suis pas. Hein. Je suis à 16 millions 8. C'est mort, tu vois. C'est sûr que c'est mort. L'élite, j'ouvre pas d'élite. J'ouvre pas d'élite pour vos trucs. Hein. Pourquoi il y avait une élite? Qui c'est qui a demandé une élite? Qu'est-ce que tu me chantes là, menteur? Ah. Ah, l'élite. Ah non, je l'ai pas. Je l'ai pas ouvert, ouais. C'est une élite 5, tu crois que j'ai? Ah, même pas. Ah. C'est une élite 4 que j'ai. Ah, je croyais que quelqu'un avait demandé d'ouvrir une élite. Il y a des chances, le 21 millions, à mon avis, avec le confinement. Putain, quelle tristesse, les potes. Je vais pas l'avoir à 5 étoiles. Je serais déçu. Tant pis, hein. Si je vais faire, on aura tout donné. Ouvre une orbe de ton choix. Go! Dès que le gars, il voit ça, go! Salut Stop Cray, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ouvre l'élite, arrêtez les mecs, arrêtez! Commencez pas à me chauffer de bon matin là. Minerva. Hop là, vu. Oh la vache. Salut Wade, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Salut Stop Cray. Ouvre l'élite 4 pour avoir une 5 avec ta légendaire luck. Tu choperas un 5 que t'as déjà. J'ai pris la botte, t'aurais pu ouvrir l'élite. Pour ta commu, tu pourrais... Ouvre! J'ai commencé la DD2. Enfin, GG, ça. En attendant que Iron Heart arrive, on aura le temps de décéder. C'est de votre faute, les mecs. Hein. Je suis désolé, hein. Il y a un moment... Soyez honnête avec vous-même. C'est de votre faute. Il y a une icône qui a été faite sur le chat pour ça, les gars. Donc, il y a un moment, j'ai envie de te dire... C'est... Je comprends pas Red Skull pourquoi il veut pas mourir avec les charges. Bah parce que c'est pas compliqué en fait. À partir du moment où il y a tous ces minions, en fait il prend 25% de dégâts de moins que ce qu'il doit prendre par minion. Il a 4 minions. Ce qui fait 100% de dégâts. Voilà. Donc tant qu'il a des minions, il prend pas de dégâts. Et vu que ces minions il les reste jusqu'à 8 fois, bah tant qu'il a des charges, bah tu peux pas tuer un minion. Et si tu peux pas tuer un minion, tu peux pas lui faire de dégâts. Info USA. Sois faible et ouf ta belle élite 4. Je l'ouvre? Sérieux, vous voulez que je l'ouvre? Des news de l'event Minerva, info US. Ça commence lundi. Lundi. En même temps que la fête de la musique, 2h du mat. C'est abusé, Red Skull. Ah ouais, et puis la mienne est costaud en plus. Hein. Je vous le dis direct, elle est monstrueuse. Je sais pas combien je suis là, faudra que j'aille voir un de ces 4, mais elle est costaud la mienne. Je sens 6RS info FR. T'es sûr? Celle-là, l'event Minerva. Si tu chopes un doublon 5RS, demande à Foxnex de te faire un cadre. En fait, ce que j'ai peur, c'est d'être... Stop. C'est d'être obligé de crier parce qu'il y a un truc qui est bien qui sort. Alors que je suis malade et je suis affaibli par la maladie. Et ça... Si je suis obligé de crier, comment on fait, les mecs? Comment on fait? Être obligé de me faire un grog ce soir, et ça, c'est de votre faute. Hein. Il y a un moment, les gars, entre Iron Heart, les gens qui boivent à cause de vous... Non, arrêtez, les gars. Franchement, moi, je suis à deux doigts de fermer les hôpitaux de Paris. Un gars de mon alliance est à 300k, ça aidera. Ah, le bâtard. Je dois pas être à 300k, quand même. Avec les buffs. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Faudrait que j'aille voir. Tu sais quoi, je vais aller voir après. C'est, tu me mets le... Tu me questionnes, du coup je vais aller voir. Iron Bert. Ça va se lisser. 7RS Proxima? Sérieux?
Sérieux? Bon, ok, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir. Je vais voir à combien est... Je vais voir à combien est mon Hydra. Putain, ça marche pas ce que je suis en train de faire, c'est bizarre. Pourquoi ça marche plus? C'est emmerdant ça. Bon, tant pis. MSF, tac. Hop. Je vais voir à combien est mon Hydra et après, après je vais ouvrir la RS. Et Mouline et sa Mouline. Mais Redskull à la place de Kate car il est rouge et chauffe comme toi. Ouais, je t'aime ça, qu'est-ce qu'il dit? Arrête, t'es toujours malade. Arrête, tu nous la fais pas. Mytho. Alors, où est-ce qu'elle est? La mienne, elle est à 267 pour l'instant. Pas dingue. On a vu mieux. Bon, on loupe cette RS. Les amis, c'est peut-être mon dépucelage de cette RS aujourd'hui. Tu pourras faire une emote, ça va si c'est ouais, mais il faudrait que j'en aille une. Salut Vin, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on mouline, les amis? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça qu'on se demande. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt au moulinage ou pas? Cette RS Corat. Le c'est la fusion de Rescue les chers Xavier. J'ai débloqué Captain Marvel. Ah, ça, c'est bien. Ça, ça fait plaisir. En espérant que t'aies enfin ton CTRS Kaïd. Celui dont tu rêves depuis longtemps. Bon, les potes. Je veux du mouline derrière moi. On va mouliner. Ok. Remplissons. Il faut remplir tout ça de mouline. Vous êtes prêts, les potes? On met la musique ou pas? Est-ce que je la mets, la musique? Ouais. T'es obligé. Je pense que je suis obligé. Anto, si tu nous regardes, Anto. C'est dommage de l'avoir en double, c'est un bon perso, il m'a dit. J'en peux plus de vous. Je pique Starry par bonne, ça va ou quoi, qu'est-ce qu'il dit? J'en peux plus de ce système de merde. J'en peux plus.
faut recommencer. J'aspire, les gars, j'aspire vos moulines, les gars. Je prends tout. Je me crache dessus. Attends. Et voilà, voilà. Non mais attends, il est là mon gars. Allez champion. Après avoir ouvert 1600 orbes de merde. On va laisser la musique du coup, Oh la vache, quelle angoisse! Quel joueur! C'est grâce à vous, c'est tous les moulines derrière moi. Je les ai aspirés, je sais pas si t'as vu. Oh la vache, incroyable. Et bim, et ça met 200 bits. Chapeau à l'artiste, merci Dom, ça fait plaisir. Oh là 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 là, mais que c'est beau. Elle est là ou elle est pas là? Mec, quel joueur français. Info.fr. Bon, on l'a pas eu 7. Info.us, il a doute un bon 5RS. Ah, ça fait plaisir. Cet homme est touché par la grâce. Mais quel chat! Gars, il chope jamais rien, pour une fois il chope un truc. Mais quel chat! Oh là là, mais c'est pas possible. Ah, c'est grâce au moulinage des platistes qui sont sur le chat, ça. Merci beaucoup les platistes. Vous gavez les gars. Ouvre le reste, c'est ta soirée. Et bim, 100 bits de Valou. Vive l'ordre noir, merci tonton, ça fait plaisir. Oh là là, on peut leur mettre des potes à ces hommes. Merci beaucoup les potes, ça fait plaisir. C'est ça de croire en Jean-Michel Platiste. C'est fort à compenser, exactement. Mais je deviens moi-même un platiste petit à petit, je sais pas si t'as remarqué. Et ben voilà. Easy. Merci pour le follow à The Pusher. Plaquiste. Un platiste. C'est à peu près la même chose avec une petite différence. Tu vas devoir farmer à Dof Proxy maintenant 5 étoiles. Ah, mais je vais la Dof à bloc. De toute façon, je comptais déjà la farm à bloc. Ça, c'est lycée, miracle. Putain, c'est toujours ceux qui ont plein de 7 RS qui chopent des trucs trop bien. Tu le mérites pas. Franchement, vu les RS que t'as, tu le mérites pas. Ouais, Psycho Killer, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Il y en a marre. Il n'y a pas de justice. Ah là 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 là, j'en ai marre de tirer tout le temps des bronzes RS en fait. Tu vois, non mais c'est vrai en fait. En fait, le problème c'est que je déséquilibre le jeu. C'est fou. Je suis là, j'ouvre une RS, elle est bien. Je déséquilibre le jeu. Et ça c'est grave les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Et Genghis Aruda qui met 100 bits et qui lance le train de la hype. Merci gros, ça fait plaisir. Le X7, oui, c'est ça. Enlumer des poètes. Merci beaucoup, gros, ça fait plaisir. Proxima 6 RS. Je viens de l'avoir 5 RS à l'instant, gros. Véridique. Véridique ce que je te dis. Sur une orbe comme ça, hein. Au détour d'un clic. On a dû être quand même une soixantaine à mouliner pour arriver à faire quelque chose. Donc maintenant, j'ouvrirai que quand on sera au moins 60 sur ce chat et que tout le monde moulinera. En dessous, c'est mort. C'est pas compliqué, ça va se passer comme ça maintenant. En dessous, je n'ouvre pas. C'est où tout le monde mouline, ou j'ouvre pas, en fait. Est-ce que c'est clair? Wesh, Kael, qu'est-ce qu'il dit? J'ai passé un bon week-end? Pas du tout, j'étais malade comme un chien. Mais sinon, ça va. Et toi, ça va ou quoi? Va encore retarder Iron Heart à cause de cette RS, je pense. Ouais, c'est ça, pour pas qu'il déséquilibre trop le jeu. La commu a influencé, comme d'hab. Commu de platiste. Qu'est-ce qu'il faut qu'on tape, là?
C'est chiant, c'est chinois qui contre-attaque, ça fait perdre du temps. Et vive le train, Dumps qui remet 100 bits, merci, oh, ça fait plaisir. Alors j'ai fait un truc tout à l'heure, c'est que j'ai mis ma tête quand il y a un train. Ouais, alors, je sais pas, c'est peut-être un peu bizarre. Mais ça fait plaisir. Elle est bien plus nombreux, on est au moins 300 chez moi à le mettre en live. D'ailleurs, tous ceux qui travaillent dans des EHPAD, là, vous pouvez mettre le live sur toutes les télés de l'EHPAD. Hein. Franchement, ça me dérange pas. Hein. En vrai, autant faire profiter aux gens qui sont... J'ai l'impression que les RS sont bien tombés avec Proxima. Grave ! Non mais grave, franchement, de ouf. En vrai, de ouf. Je sais pas, je sais pas. Allez, tu dégages. Non, franchement, ouais, c'est clair. C'est assez impressionnant, mais ouais, je suis d'accord. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'RS qui sont tombés sur Proxima par rapport à d'habitude. C'est incomparable, les gars. C'est assez ouf. Même j'ai fait deux openings là sur deux autres comptes vendredi, là. Ça tombait à bloc, en fait. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Ils ont mis des vrais pourcentages cette fois-ci ou... Quelqu'un s'est planté, Brian a vraiment mis les vrais pourcentages. Bah alors, Brian, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ils viennent de se rendre compte que ça fait 2 ans qu'en fait les pourcentages sont pas bons quand ils mettent des RS. C'est une histoire de complot, c'est clair. Si, ma copine elle est là, elle est en train de regarder Tchernobyl. Et du coup, dégoûté, ouais. Je suis malade comme un chien, elle est venue, je suis malade comme un chien, j'étais au bout de ma vie. Mais du coup, je me fais chouchouter, ça fait plaisir. Ta team passe toutes les nodes jusqu'à Ronan, ouais. Après, ça devient un peu plus compliqué. C'est qu'il veut la mettre à l'envers. Je vais peut-être craquer en ouvrir 10. De quoi? Des RS? J'ai ouvert mes orbes. 5 RS sur Proxima. Et je viens d'avoir mon 6ème 6 RS. Oh, mais c'est incroyable, quoi. Truc de ouf. Sur qui? Pour le U7, 4 RS, tu penses CM? Ou Faucon 5 RS? Je t'avoue que... Faucon, ça va t'apporter plus de rapidité de mouvement et tout, donc tu joueras plus souvent. C'est pas pareil. En fait, c'est un peu compliqué, gros. C'est pas pareil. Brian a glissé sur 50% à la place de 0, c'est ça. Sûr qu'il y a, aiguille sous roche, même j'attire. Il était malade et il s'est trompé, Brian. Ouais, c'est ça. J'ai avancé la DD3. Non, j'ai pas joué du week-end. J'ai pas fait la DD du week-end, non. Non, il n'y avait pas d'intérêt à la faire. De toute façon, je vais finir les 4 nodes avant d'avoir la suite, je pense. Donc, il n'y avait pas trop d'intérêt d'avancer. Ils ont inspecté les pourcentages. Ils gagnent trop d'argent. Ouais, c'est ça. J'ai Proxima 3 étoiles sans RS. Je suis deg. Ah ouais? Comment ça, tu l'as 3 étoiles? Tu l'as acheté? T'es une baleine, toi aussi, en fait. Vive les chiffres en ce moment et vive la Chine. Ah, bon, de rien. Arrête. Je suis malade en ce moment. Je flippais tout à l'heure. Je me disais, imagine j'ai contracté le... La shkumun chinoise, là. La vraie question, c'est ce que tu fais juste avec la main. Évidemment. 5 RS Colossus et 4 RS Proxima pour moi sur un 5 RS normal, c'est beau. Je pense sérieusement à prendre Proxima pour la DD3, moi. Ah ouais? Sérieux, tant que ça? J'ai pas trop étudié les persos. J'ai un petit peu vite fait, mais j'avoue que j'étais dans un autre monde ce week-end. Dans le monde de la fièvre. Mais je m'y pencherai un peu plus quand il y aura toute la team. Wellarder. Je viens de l'avoir en RS. Je reviens de l'EHPAD d'à côté. Ça y est, ils sont tous devant le live. On est passé à 470 personnes. Allez, fais-nous plaisir. Hein, dommage. Moi aussi, Wobakim, y a pas photo. La Casa des Papers, c'est fini, les gars. C'était ouf, cette demi-saison. Ah ouais? Moi, la saison 3, elle m'a gavé. Du coup, j'ai pas regardé la dernière. J'ai regardé le truc, là. Une orthodoxe, là.
avec ma copine, c'est plutôt pas mal, un peu dur mais pas mal. Son spécial pose des attaques down pour 2 tours, ouais mais c'est que sur une cible. Hein. Donc autant prendre yo-yo à ce moment-là, tu vois, comme ça à chaque fois que tu te fais attaquer, tu prends un attack down en fait. Tu comprends? Je crois que c'est ouais son spécial, je crois que c'est que du mono-cible. Hein. Je crois que tout le perso est mono-cible en fait, non? Ah non, il y a peut-être un sort qui en a... Putain, je m'en souviens plus, tu vois, j'étais tellement à l'ouest total ce week-end que... Dark? Ouais, Dark, c'est super. Ouais. C'est énorme, Dark. C'est bien perché, Dark. Plateforme, c'est sur quoi, ça? C'est sur quelle plateforme? Non, c'est pas du mono-cible, tu confonds avec son ulti. Ah, d'accord, ok. Ah, ça peut être pas mal, alors. Après, il y a toujours l'histoire des... moi, j'y suis en DD3, les mecs. Hein. Quand tu te fais one-shot tous tes persos. Donc, si tu vas avec un personnage qui est 3 étoiles, tonton, je laisse imaginer comment ça va se passer. Oh, comment elle tue, cette musique? Elle tue de ouf. C'est quoi le titre? Ah non, si je copie toute la page entière. Oh là 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 là, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma team là? Putain, je regarde pas ce que je fais. Il est encore en ville, Drax, sérieux? Je sens que je vais perdre ma team sur cette note de merde. Bon, on s'en est, je sens que ça va être compliqué là. Ah ouais. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe qui est en train de se passer là? Putain. Chier. Elle est énorme ce son, il est énorme ce son. Salut Rosita, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Sur Netflix, plateforme, ok d'accord. Ah, Ozark! Ah, attends, moi j'arrive pas à m'y faire à cette série là, je la regarde. J'ai essayé, tu vois, mais j'arrive pas à... Oh, j'avais deux personnages à 1 HP, quoi. Tu as combien d'RS sur ton Thanos? 4. C'est un truc de ouf. Nombre de personnes qui ont eu Phoenix 6 RS grâce au crédit. Drax, il a une barre de vie de secours. Salut. Ouais. Et 5 RS, la BO commence plutôt bien. Ouais. Comment ça se fait que je me suis fait des gommes là? Je suis pas compris. Ah ouais, d'accord. Mordo de merde là. Putain, c'est insupportable ce personnage. Mordo quoi. Pire personnage de la Terre. Je me refais décimer ma team, je crois que je pète un câble. J'y fais péter une X-Men dedans, ils vont moins faire les malins. Et il, toi aussi, espèce de schtroumpf vivant, là. Butez-moi ce Drax une bonne fois pour toutes, en fait. Oh la vache, qu'on aille chercher le Mordo et qu'on n'en parle plus de ces blocages d'élite de merde. Ah bah ça y est, elle heal, alléluia, mes frères. C'est tombé, hein. Enfin, un personnage pour qui il toutes les 6 ans. J'ai réussi à avoir Magneto 5 RS, GG ça. Arrêtez de lui demander ses RS, il en a pas. T'as pas pris l'énergie à 50 noyaux? Car c'est pas mal du tout, toi qui aimes bien l'énergie. Comment ça l'énergie à 50 noyaux? C'est-à-dire?
Putain, c'est chaud hein, quand même, je prends beaucoup de damage. Hein. Impressionnant cette histoire là. Je crois que je vais arriver à perdre quelque chose. On va pas savoir comment. Ah oh, le Greg quoi, le Greg. C'est l'homme que tout le monde veut quoi. Ça vaut la peine de choper 6 RS dans la boutique. J'ai changé de lane. Ouais, je suis au milieu maintenant, ouais. Depuis, ça doit faire 3 semaines maintenant, je pense. Je suis au milieu. Ah, elle va mourir, ma Minerva. Ah non. Ou pas, comme on dit. Je peux toujours pas heal, hein. Putain. C'est un délire, hein, ce qui se passe. Ah ouais, je peux pas heal, en fait. Mais en fait, je peux heal quand, en fait? C'est un délire, ça. Tous mes persos, ils ont zéro. Me dis pas qu'il va rush. Je veux pas invoquer avec Ultron, je vais être obligé. Hein. Sinon, je vais perdre mes persos encore. Hein. Chier, putain. J'ai pas le choix. Faut que je les protège. Ah bah alléluia, on peut healer un petit peu quoi. Oh la vache. L'énergie sup à 50 noyaux. Ah bah si, j'en ai pris pour 1500 noyaux au moins. Et j'ai pas fini. Ah si, j'en ai pris bien sûr. Bien sûr que si. Ah si j'ai fait sur lui, c'est normal. Hein. Putain, ça a été compliqué là. Oh, quelle galère. Putain. La vache quoi. Waouh! Si, j'en ai. Ouais, j'ai claqué comme un porc. Toute la journée, le refresh à 50, dents de sabre et 20 énergie en ce moment. Et ouais. Ah, si, mais là, même ce soir, je vais reclaquer à 23h, hein. Comme tout le monde. Je vais reclaquer à 23h à bloc, là. À minuit, je veux dire. Ouais, à minuit, si je suis encore réveillé. Inch'Allah. J'espère. Bon, on est pas mal, on va aller se faire un petit tour en choc. Parce que bien évidemment, maintenant, les shots, les amis, c'est du plaisir. Hein. Faut pas l'oublier. Hop. Recherche d'adversaire. Combat. C'est incroyable. Tu valides le choix Ayla en DD3? Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Franchement, tu veux que je te dise ce que je pense qui est très très fort en DD3. Je pense que déjà Ultron c'est bien, mais c'est pas incroyable. Je pense que ce qui est fort c'est Black Bolt. Black Bolt, Yo-Yo, c'est très fort. Yo-Yo, ça doit être le personnage en ce moment qui est trop fort de partout, en fait. Yo-Yo, c'est vraiment trop fort. C'est dommage que ce soit autant premium, hein. Mais c'est trop fort, Yo-Yo. Black Bolt, Yo-Yo, c'est très fort. Scientifique suprême. En DD3, on parle, hein. En plus, c'est des personnages qui sont forts partout. La méta en ce moment, c'est ça, hein, je vous le dis. J'ai passé la 6 étoiles. La vache. Greg est fort en DD3. Ouais, c'est ça. Pourquoi Black Bolt en DD3? Bah, ça fait beaucoup de damage. Puis ça finit des gens et puis ça accélère grave ton run. Black Bolt, c'est fort, gros. En vrai, c'est fort. En vrai, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. Hein. Ouais, c'est. Tu live demain? Aucune idée. Je pourrais pas te dire. Je sais pas. Pas la moindre. Je sais pas. Je pourrais pas te dire, tonton. Salut Ben Kenobi, ça veut quoi qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à tous ceux qui sont arrivés.
Welcome les potes, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue. Scientifique suprême, apparemment pas ouf en DD3, elle fait son ulti tour 1, sauf qu'elle a pas de tour 2. Ah ouais? Sérieux? Salut Julen. Shuri c'est fort. Mais Black Bolt et Yuyu, c'est trop fort. Franchement, c'est trop fort. C'est vraiment... Je vais les up vite, moi. Je vous le dis, hein, je vais les up vite parce que c'est vraiment pété de ouf. Je vois tous les mecs qui top l'arène, ils ont des Black Bolt de bâtard. Par contre, le problème, c'est que ces Black Bolt, c'est 6 RS, 7 étoiles. Enfin, voilà, tu vois, le problème, c'est ça, quoi. Mais ils ont tous des Black Bolt... En ce moment, le top arène, en fait, c'est que ça, en fait. Faut pas se mentir, depuis qu'il y a Black Bolt, c'est que ça. C'est que du Black Bolt. Je vais l'avoir, ouais, je pense, ouais. Je pense que je l'aurai, ouais. C'est que du Black Bolt, en fait. C'est que du Black Bolt, c'est que du... Des fois, du yo-yo... Et Black Bolt, c'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que c'est mieux de claquer mon or dans Magneto 5RS? Ou attendre les 20 SL que je peux mettre en Mingot et Gardien? Ou attendre pour Symbiote? Symbiote, non, clairement. Magneto et SL, il faudra que tu montes les deux tontons. J'ai monté Yuyu G13 pour Lucette. Pas sûr d'investir dans son G14 pour la DD3, mais pourquoi pas. À mon avis, c'est fort pour la DD3, je pense. Black Bolt, Colossus, Phoenix, Ultron et Mister Sinister. En attaque, peut-être. En défense, je partirais plutôt sur... Je partirais plutôt sur des trucs beaucoup plus agressifs, moi. Genre Captain Marvel, genre Phoenix, Ultron, Captain Marvel, Miss Marvel... Black Bolt, par exemple, tu vois. Un truc où tu sais que... Alors, où c'est où tu mets beaucoup de dégâts pour que ton Black Bolt, il finisse les gens le plus rapidement possible et qu'il te supprime des gens non-stop, en fait, avec de l'AOE, des trucs comme ça. Ou tu pars sur le fait que ça va être ton Ultron qui va faire ce taf-là, et du coup, tu mets énormément de buff et de tankiness autour de ta team. Genre Invisible Woman... Des trucs comme ça. Faucon. En fait, les meilleurs 7RS sont Phoenix, Black Bolt et Mister Sinister. On va espérer Yo-Yo en farmable arène. T'es d'accord bientôt? Ouais, j'espère. Les meilleurs 7RS, tonton? Il n'y a pas de meilleurs 7RS. Un perso 7RS, ça doit être le perso le plus pourri de la Terre. Il sera meilleur qu'un perso 4RS, même si c'est le meilleur perso de la Terre, en fait, malheureusement. À part quelques exceptions, peut-être. Salut Pépette, ça va ou quoi? Pépétinx, ça va ou quoi, Kessidier? Kessidier, Fantominus, ça va ou quoi? Parce que Symbiote, je l'ai 3 étoiles, 3 RS, G12, 42K, et que j'ai l'occasion d'avoir Magneto 5RS pour la confrérie. Bah, prends Magneto, t'entends. Je crois pas qu'une team peut faire une véritable différence. Je pense qu'il y aura une team comme Ebony pour Counter Phoenix, Black Bolt pour Counter... De toute façon, voilà. De toute façon, il n'y a pas de team parfaite. Pour l'arène, les comment ça s'appelle, la DD3 ou quoi que ce soit, en fait, pour la simple et bonne raison qu'on est à une époque du jeu où quand tu lances un truc, sans compter la DD3 par exemple, quand tu lances une vague de DD3, t'as 10 personnages en face de toi, gros. C'est pas une question de quel est le meilleur personnage pour... aucun personnage n'est bon
pour survivre, pour faire survivre une team où en face, t'as 10 persos, en fait, tu vois. C'est à part des supports. Voilà, en fait, en gros, t'attaques des supports. Mais le problème, c'est que même full support, de toute façon, tu peux te faire one-shot des persos. Donc après, si tu veux, en arène, par contre, en arène, t'as moyen de théorycrafter un petit peu, ouais. Mais c'est pareil, tu peux théorycrafter, mais t'as une limite qui est énorme pour le théorycrafting en arène. C'est les RS, tonton. Il y a un moment, c'est sympa, Black Bolt, Yo-Yo et compagnie. Mais des Black Bolt 6 étoiles, 6 RS, dans le monde, s'il y en a 100, c'est le maximum, quoi. Alors qu'il y a probablement 200 000 joueurs ou 300 000 joueurs. S'il y a 100 Black Bolt comme ça, c'est le maximum. Et c'est des top 10 d'arène, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Salut, je s'appelle Groot, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Pas très bon week-end, j'étais malade tout le week-end, mais là ça va un peu mieux. Achète pas Magneto 5RS, s'ils te le mettent en récompense de phase. Ah, tu veux l'acheter? Ah, d'accord, j'avais pas compris, je croyais que tu voulais le monter. Non, mais achète pas des RS sur Magneto, c'est pas très utile les RS sur Magneto. Ça a pas trop d'utilité. Ça avance, Strife? Ouais, ça avance. Ça avance, je peux lui passer une étoile, mais pour l'instant, j'attends les 20 symbiotes. Donc, ouais, en fait, si tu veux, t'as pas de perso qui... Voilà, tu vois. Phoenix 6RS, c'est normal, parce qu'en arène, Phoenix, c'est Phoenix, quoi, en fait, tu vois. Les mecs, tout le monde joue Phoenix, quoi. C'est pour ça qu'ils achètent Phoenix 6RS. Ah, c'est sûr, c'était sûr, ça. Ça, c'était sûr. Après, t'as pas besoin d'avoir une Phoenix 6RS pour faire le café. Et c'est pas parce qu'il y a une Phoenix 6RS que tu vas pas la démontrer. Hein. J'étais à combien de chocs, les gars? Pour savoir combien je fais en une rotation. J'étais à 16 millions 8, non? Wesh Black Angel, Cassidy, ça va ou quoi? On va voir. Je suis pas les 8 en plus, je crois. Un Drax? Ah ouais, Drax, c'est chiant, ouais, c'est vrai. Tu vois Anto qui est top 15 de son arène depuis le début, qui a un Drax 7 RS. C'est un infâme Drax. Quel plaisir raccourci en choc grave. Tranquillou, fin de week-end, et toi, le week-end, je suis bon? Pas terrible, j'ai été un peu malade, mais là, ça a commencé à aller mieux, ouais. Merci pour tes vidéos, ça m'aide bien pour améliorer mon jeu. Continue comme ça, ben merci beaucoup, gros, bienvenue sur le live, et ben merci, ça me fait chaud au cœur, c'est fait pour. J'ai fini les phases d'Anive, ouais, j'ai fini, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Putain, j'étais à 16-8, je suis qu'à 1700, hein. Ah, je suis pas lié 7, je suis pas palier 8. Ouais, j'ai fini les phases d'Anif, ouais, je sais plus, hier ou avant-hier, je crois. J'ai pas fait de choc gamo, moi. Et voilà. J'ai dû le finir hier ou avant-hier, ouais. J'avais pas le goût de faire le choc gamo, même si les récompenses des orbes sont cool, hein. Des orbes d'Anif, hein. J'avais pas la foi, les gars, mais un truc de ouf. Laisse tomber. Sur... overdose de choc. Ah, elle a pas pris le break def, elle va pas crever. Ça va être chaud. Si, c'est bon. Ouais, je suis le Chimo Cassidy, ça va ou quoi? Allez, faut pousser l'échec. Je suis un peu en retard, ouais, grave, ouais. Ouais, je suis en retard. Hein. Non, je pense que j'atteindrai pas le 20 millions, c'est sûr. C'est... Je vais quand même donner le max, hein, mais... et je pense que le top 2000... Tant pis, je leur ai eu 5 étoiles, c'est dommage, mais bon. Donne-moi tes points d'anif que t'as en trop. Ce serait avec plaisir, tonton. Ça serait avec plaisir. Un peu de recharge, j'ai déjà tout donné. Et je vais faire celle de minuit, je pense, mais si je suis encore debout. Mais j'y arriverai pas quand même, je pense. Tant pis. Je suis fermé comme un fou sur World War Z. Mon perso est niveau 30 avec de bonnes armes de départ. Ah ouais? T'as un énervé de la life, toi. On va s'en faire cette semaine, là, du World War Z. On va s'en faire cette semaine.
Là, j'avais un gros problème de qualité sur mes vidéos que j'ai enregistrées là et j'ai réglé le problème là. Je suis content. Bon, maintenant la vidéo, au lieu de faire 5 gigas quand je l'enregistre, elle en fait 50, mais. Mais bon. Il me manque 38 éclats pour 5 étoiles, je suis à 10 millions. Ah ouais. Ah, faut tout donner, faut pousser. Hein. Moi, je donne tout de toute façon, les gars. Je donne tout, comme ça, pas de regret. Puis autant ça passe, hein, autant ça passe. Hein, autant c'est plus bas que prévu. Et je suis à 17 millions, là, j'arriverai pas à faire 3 millions d'ici 2 heures, c'est sûr. Tant pis. Je pense que les pronos du top 2000 sont un peu trop hautes. J'espère. Et je pense que t'as raison. J'espère. Je pense qu'ils n'ont pas voulu se faire avoir. C'est pour ça qu'ils ont mis aussi haut. Mais ça me paraît énorme quand même. 21 millions. Franchement. On va voir. Je vais essayer de faire 20. Ça va être chaud, mais bon. Et il y a cette rotation-là, plus une autre, ça le fera peut-être. Sur le Discord, il y a quand même beaucoup de joueurs à plus de 20 millions. Ah ouais? Ouais, ça va peut-être le faire. Ça va peut-être le faire. Logiquement, ceux qui ont raté le premier top 2000 vont pas le tenter là, ça sert à rien, ils l'auront pas 4. Ben moi, c'est pour l'avoir 5, quoi, c'est pour ça. C'est ça le pire. Après, au pire, tant pis, hein, je veux dire, je serai pas loin, hein, je leur évite 5, en fait, tu vois ce que je veux dire? Je leur évite 5, s'il y a un choc dans un mois, dans les orbes, petit à petit, je leur évite 5, quoi. Ça devrait aller vite. J'aurais bien aimé l'avoir 5, quand même. Ah, l'énergie 21h, l'énergie gratuite. Dans les 2 ans, choc reticule. Dans 2 ans. T'as combien d'RS sur Crâne Rouge? J'en ai 4. Mais en tout, j'ai beaucoup d'RS sur la team, quoi. Je pense que c'est la plus grosse team que j'ai en termes d'RS. Ou peut-être la X-Men est devant et en... Je suis même pas sûr. J'ai un 6 RS dessus et c'est le sniper, quoi. C'est un peu comme si j'avais un 6 RS Phoenix, quoi. Sniper, il découpe le bâtard. Il se pose pas trop de questions. Tu as des infos s'ils vont mettre Elsa farmable? Alors, j'ai pas l'info s'ils vont la mettre farmable, mais je peux te dire que c'est sûr qu'ils vont la mettre farmable. Alors, je roule à tout, c'est sûr. Tu as déjà fait ou tu vas faire de la D3? Je l'ai pas encore fait. Et je vais la faire, ouais. On va la faire après, là. On va essayer de tenter le tout pour le tout. Passer une node. Parce qu'on le mérite. Alors, je crois que je suis à la deuxième vague, là. La deuxième node. C'est tendu, hein. C'est tendu du slip. On est prêt à soutenir Greg. Penses-tu qu'une 6ème RS sur Shuri, c'est un bon truc? Ou alors Namor ou Iron Man? À choisir entre les trois, je mettrais... ça se discute. Si c'est pour Red... Enfin, en fait, t'as le choix. Iron Man, c'est mort. Oublie. Namor et Shuri, c'est intéressant. Franchement, les deux sont intéressants. Shuri, c'est très très intéressant pour Red et tout. C'est clair. Ça va lui donner de la survivabilité. Et Namor, par contre, en GA, Namor, c'est monstrueux. Namor, c'est vraiment, vraiment ouf en termes de GA. Ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Si tu lui mets des RS, il arrache tout le truc. J'ai chargé mes sorts, je crois que ouais, si je me rappelle bien. Pour les héros cosmiques de l'Event de Lord Honor, c'est mieux de prendre les gardiens. Il y a moyen de faire un mix. Il y a moyen de faire un petit mix, je pense. Il doit y avoir moyen de faire un petit mix. Salut Carasso. Quand on commence le jeu après avoir chopé la team Defender, il faut se diriger sur quoi? Il faudrait que tu ailles chercher la Sinister Six. Donc celle contre qui je vais me taper là.
Faudrait que tu ailles chercher la Sinister Six parce que ça va te permettre de débloquer Shuri et Invisible Woman qui sont deux légendaires vraiment qui sont très prisés là, cette team là. Franchement, quand t'as ça, t'es bien tonton. Au fait, il se passe quoi quand t'auras 100 subs? Je sais pas. J'ouvre une RS Elite. Rien, c'est l'objectif. L'objectif, c'est 100 subs. La 4F en War, c'est hardcore. Mais quand t'as eu avec Namor, gros, c'est infâme ce qui se passe. Hein. Mon Asgardienne, elle a plus de 300k, mon Asgardienne. Et encore, j'ai pas passé Thor 5 étoiles et j'ai pas et 6, 7 étoiles pardon et je vais aussi passer Emdahl bientôt 7 étoiles et bientôt aussi elle a 5 donc mon Asgardienne est monstrueuse, elle est vraiment très 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 grosse. On va bientôt le voir, on va bientôt tomber dessus hein. Mais elle est assez costaud ouais. Elle est assez solide. Perso, j'ai Iron Man 5RS et War Machine 6RS. Un body painting. Giganto T4, hein, mais laisse tomber, c'est énorme. Franchement, Namor, moi, je suis toujours impressionné par les wish qu'il met, quoi. C'est un délire. Pas en GA? Ouais, pas en GA. Elle est à 300k, ouais. Elle est à plus le Rhino, merci d'être passé, tonton. Pas en GA, elle est à 300k. Elle est à plus de 300k, mon Asgardienne. En GA, elle doit être à 340. Un truc comme ça. Et elle va encore up, là. À 100 subs, tu te rases la barbe jamais de la vie. T'es fou, quoi. Ma femme se barre. Hein. Elle me quitte, là. Je pense qu'elle me quitte. Elle pleure, et après, elle me quitte. Elle me dira, mais t'es qui, toi? T'es qui? Attends, mais t'as quel âge, déjà? 30 ans? Allez, file, toi. T'es qui? Wesh Alexa Rousse. Bah on n'y est pas encore allé en DD3, là on fait la petite rota choc. Et puis on va y aller. On va y aller, c'est de tenter le tout pour le tout. On va peut-être ouvrir quelques orbes avant. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Oh là là, eh, les gars, dès qu'il y a les 20 symbiotes, je vous jure que c'est fini ça. Je mets les deux, la blob étode, instantanément, ça va être un truc de fou. Ça va être un truc de fou. J'ai Namor 6RS, ça déboîte le premier tour avec son skill 3. Avec attaque augmentée, et supprime les effets positifs sur Hydra Shield, je prends une balle avantage. Ah non, mais Namor, les gars, ça. C'est... Pourtant, quand tu regardes ses dégâts, ils sont pas incroyables. Je comprends pas pourquoi son attaque, elle fait autant de dégâts. Bah, elle attaque up. Mais ça fait des damage. Oh, c'est un autre monde. C'est un autre monde. On sait ce qu'on va faire. Je vais finir mes chocs. Après, je vais aller me faire un petit thé, vite fait. Et après, on va attaquer la DD. Parce que j'ai la gorge. Le Kaïd, il va trop te manquer. Les fantastiques sont très forts tous ensemble, grave. Ah moi j'adore cette team, j'adore. Je suis un fan. Je déteste les films, mais... La nouvelle BH, je viens de rouler sur une note du 7 tellement elle est pétée. Ah ouais non, mais c'est... J'ai envie de la jouer, depuis qu'elle est sortie, j'ai envie de la jouer en fait. C'est un délire. Je commençais hier, la DD2 a tué un fichier comme pour la DD1 qui indique l'ordre à tuer. Non, il n'y en a pas pour la simple et bonne raison que... en fait, la DD1, c'était, on avait les scripts des attaques qui attaquaient à quel moment et tout, alors que la DD2, on n'en a pas. Ils l'ont supprimé, ça, Foxnex, ils ont fait différemment. Et du coup, tu n'as pas de... Après, tu peux regarder sur msf.gg, peut-être qu'ils ont un attack order, mais... Tu peux voir. Toujours jeter un oeil. Si je tape sur mon iPad, on va pas y arriver. Dimension 2.
Non, tu vois, ça y est plus. Parce qu'avant, c'était scripté, mais ça allait plus, en fait. Maintenant, ils posent les personnages et juste ils changent les stats, c'est tout. Tes fruits rouges. Avec Blob et Todd, team à 210k, j'ai arraché une infirmière dans une shield 350k. T'es sérieux? J'ai découvert la maraudeur. Ah, la maraudeur, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Lolo, après, Magneto, ça sera Shuri ou Invisible Woman? Je pourrais pas te dire. Il y a peut-être des gens sur le chat qui vont pouvoir te répondre. Je pourrais pas te répondre, tonton. Je pourrais pas te dire. Salut Strelok, ça veut quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Bing, 5940 points. On va bientôt se retrouver, Lolo. Bah vas-y, carrément. Carrément. Octogone! La recharge, c'est 22h maintenant. Non, 21h. La confrérie, c'est mieux en attaque. En attaque, tonton. Sans hésiter. C'est moins dur que la DD1. La DD2, ah bah ouais, il n'y a pas de heal. Donc déjà, déjà, ça va mieux. Mais à la DD1, ils ont foutu des heals toutes les deux notes. Donc c'était un peu insupportable. Ouais, ça va. Joli le siège. Bon, ça fait un moment que je l'ai. C'est juste que maintenant, la caméra est plus haute. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, je vous montre, les potes. J'ai fait un petit truc, là. Regardez. Regardez. Donc là, il y a mon Mac avec mon retour. Ça, c'est l'écran où je joue. Hop, et vous voyez, c'est surélevé. Vous voyez, bon, c'est le bordel parce que du coup j'ai tout enlevé, je te foutu le bordel. Et là, c'est mon écran de contrôle qui est en portrait. Nouveau micro, vous avez vu ça? Donc, du coup, là, c'est vous qui parlez avec mes scènes et moi. Et là, c'est la musique. Donc, du coup, la webcam est un peu plus haute. Ah ouais, t'as pas l'impression, ça tue? C'est beau, hein, c'est magnifique. Je me suis gavé, hein, je suis trop content. J'ai mis une petite vidéo si vous voulez voir sur mon Discord. Donc là, c'est ça. Et normalement, ou demain ou après-demain, je reçois le Stream Deck qui sera à la place de mon clavier. Là, parce que là, j'ai sorti l'iPad parce que le jeu déconne sur BlueStacks. Mais normalement, ici, là, il y aura mon Stream Deck. Et je pourrais changer les scènes et tout du Stream Deck et balancer des sons et tout. Et on va pouvoir balancer des Jean-Michel Platiste, des trucs comme ça pendant le live, ça va être marrant. Ça va être mort de rien. Je suis à la note 3, il y a la shield. Ah ouais, mais elle est toute seule, elle est pas... Il y a que cette note, tonton. Il y a que cette note. Je suis sérieux, il y avait le bonus dev security sur la room que j'attaquais. Je te crois, tonton. Attends. C'est beau, merci. À l'américaine. C'est aussi parce qu'il était très compliqué de faire des target orders vu que l'on y allait tous avec des persos différents. Ah ouais, par exemple, tu ne fais pas le même target order si tu joues la Defender, si tu joues une Mintech. Ah d'accord, ok. C'est beau, merci. Je suis en note 5 en DD1, je pleure, il y a Scarlett qui fait heal. Ah ouais, non mais la DD1, elle est infâme, les potes. Hein. Qui fait heal et Drax, Groot et Captain qui provoquent toutes les 2 secondes. Le poète-poète original ou le poète-poète électronique? Le poète-poète... Tu parles de ce poète-poète, là? Ça, c'est un vrai poète-poète de vrai poète-poète, tonton. Ça, c'est... Il n'y a pas plus original que ça, tonton. Ici, il n'y a pas de faux-semblant au niveau du poète-poète. Je te le dis direct. On ne ment pas en termes de poète-poète. C'est pas possible. Ah, le poète-poète... Ah non, le poète-poète, c'est par contre celui qu'on entend quand quelqu'un se... Enfin, un don, c'est un pote qui vient d'Internet, par contre. C'est pas le mien. C'est pas moi qui l'ai enregistré, quoi. C'est du boulot d'enregistrer un son et de le ressortir. Pour moi, ça en est. Parce que moi, j'ai un setup qui est fait pour enregistrer des vidéos, les amis. Je n'ai pas un setup qui est fait pour enregistrer des sons. Donc, quand je vais enregistrer des sons, c'est pas les mêmes logiciels, c'est pas la même façon de faire, c'est pas du tout la même chose. Donc, je suis obligé d'enregistrer une vidéo et de sortir le son de cette vidéo, en fait. Ce qui est chiant et long. Par contre, pour faire ce que je suis en train de faire, là, c'est easy, parce que tout est fait pour. Combien de points en GA? Aucune idée. Alors là, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. Le poète-poète. Je pourrais pas te dire, tonton. On est à presque 1000, je crois. 960, un truc comme ça. 980. On est vers là. Il m'a fallu 10 attaques pour finir la note 5 de DD1. Oh la vache. Eh ben, bravo!
La femme. Ah, c'est la Miss Marvel. J'ai adoré celle-là, je l'ai adoré celle-là. J'ai beaucoup aimé. Alors, au niveau de la présentation, 10 sur 10. Au niveau des plats, j'ai trouvé l'entrée froide pas terrible, mais. Pourquoi vous la jouez pas là, déjà, le week-end? C'est comme ça, tonton. C'est C'est pour que les gens ils se reposent tranquille, tu vois. C'est pour pas forcer les gens, quoi. Je sais pas, je pourrais pas te dire. C'est comme ça. Si, on joue la GA, mais pas celle du samedi. Celle du samedi, on la joue pas. Enfin, on la joue en fait, mais on refile pas dessus en fait. C'est ça, c'est pas qu'on la joue pas, on n'attaque pas. C'est qu'on a, on n'a pas de minimum de temps d'attaque. De ci, de ça. Donc, du coup, il y a pas de restriction au niveau de cette GA. Du coup, on la perd souvent. Salut Pelletao, ça vaut quoi, qu'est-ce qu'il dit? Merci pour le follow, Iceman. Ça pouette dans tous les sens, mais c'est beau ça. Mais j'aime bien quand ça pouette. On l'a passé mon Asgardienne au fait ou pas encore? J'en ai pas la moindre idée les gars. On va voir combien je fais en rota choc à palier 7-8 là. Je l'ai passé? Putain, j'ai même pas grillé. Elle était à combien? 300K non? Voilà, c'est soft exactement. Ça, on refile pas et on poste pas de dev et on recherche pour le mardi et le jeudi. J'en peux plus du choc CA. Je sais pas si tu l'as joué. Ah, elle est là, elle est à 279. Elle est à 300. Ah ouais, putain, je la croyais bien plus grosse que ça, tiens. Je me suis un peu fourvoyé, les amis, là-dessus. Je la croyais à 300K, moi, tu vois. Comme quoi. On aime bien se dire qu'elle est plus grosse en général. Non, mais faut le dire, faut se le dire. Voilà, c'est. C'est rassurant, tu vois ce que je veux dire? Infoplatiste, elle est à 300K. Je crois qu'on peut avoir les stats maintenant des icônes les plus utilisées, celle-là, à mon avis. Hein. Vite devenir. S'ils font plein de trucs Twitch, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut pas aller le défoncer, lui? Ouais, il suffisait de demander. J'ai bien aimé ta vidéo qui explique comment avoir les légendaires. Sérieux? J'ai presque failli jamais la sortir, tu vois. J'ai presque failli ne pas la sortir. Et finalement, je me suis dit, oh, ça peut quand même aider des gens, tu vois. Je me suis dit, allez. Mais j'ai parjuré mes voeux, hein. J'ai parjuré mes voeux. Mais tant mieux si ça t'a plu, tonton. Dommage. Ah, c'est vrai, vraiment, vous avez trouvé ça cool? Vous êtes sérieux, les gars? Vraiment? Je me suis dit, la plupart des gens vont pas l'aimer, je vais me faire incendier. Puis finalement, même pas. Déjà, je me suis pas fait incendier, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que c'est un peu simpliste, tu vois, en fait. C'est vraiment une explication globale de comment ça marche. Et d'où aller chercher les trucs sans rentrer dans les détails et sans infographie, sans rien. Du coup, je me suis dit, oh! En absence sur ta première node. Merci Pelletao, tu mets 100 bis, ça fait plaisir, tonton. Ça fait plaisir. YouTube manque de ces détails, alors comment faire? C'est surtout qu'il y a des petites erreurs. Alors, faut bien se comprendre un truc, les amis, quand même. Parce que je sais, oui, j'ai dit qu'il y avait les Avengers et les Shields pour Iron Man. Moi, mon Iron Man, je l'ai 7 étoiles depuis août 2018, les potes. Donc imaginez bien, et je vous parle juste de l'Iron Man. Genre, si vous voulez, moi, tous les légendaires, je les ai 7 étoiles, en gros, 6 mois maximum après leur sortie. Donc tout ce qui sort, ça sort de ma tête, en fait. Donc forcément, il y a des erreurs. Ensuite, j'ai re-regardé la vidéo, et franchement, les erreurs, c'est vraiment un grand mot. La plupart, à part celle d'Avengers et Shield, où là je suis d'accord, je dis qu'il y a des Avengers alors qu'il n'y en a pas, tout le reste c'est juste où je me demande, où je dis mais où est-ce qu'il, ouais, je sais plus où est Fléau ou des trucs comme ça. C'est pas une erreur,
De dire, je sais pas où est, je me rappelle plus où est ce personnage. Il y a 180 personnages dans le jeu. Déjà que j'arrive à me rappeler comment on farm les légendaires, c'est incroyable parce que je les ai tous pratiquement 7 étoiles à part Black Bolt. Donc, c'est déjà pas mal. Je trouve que j'ai quand même fait un sacré effort, moi. Ensuite, faut bien comprendre un truc. Cette vidéo, c'est une vidéo qui est, que j'ai faite pour des gens qui ont moins de 6 mois de jeu, en fait. Voilà, c'est pas une vidéo explicative de comment aller chercher quel légendaire ou quoi que ce soit. C'est plus une vidéo pour se dire, ben moi, ça fait 6 mois que je joue, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois aller chercher comme légendaire? Voilà, en plus, c'est moi, c'était ça mon optique. Je suis pas arrivé en me disant que les pro Avengers Shield et compagnie allaient s'apercevoir du truc. C'est le dernier de mes soucis, en fait. Tu vois, si j'aurais voulu faire un truc propre, j'aurais pu le faire. Tu vois, j'en ai déjà fait plein des trucs propres. Là, j'avais pas envie de taper 3 jours de recherche, d'écrire des machins et des trucs bidules pour un gars qui allait regarder la vidéo juste pour se donner une idée de ce qu'il allait faire dans les 6 prochains mois et qui allait après ne plus jamais la regarder. Ça a aucun intérêt, en fait. Voilà. Merci, Cassie. J'ai regardé. Ah ouais? Voilà, c'est une vidéo qui est plus du genre. Voilà comment ça se passe. Après, il y a peut-être des erreurs. Il y a surtout des hésitations. Il n'y a pas tant que ça d'erreurs. À part la Avengers Shield, j'en ai pas vu d'autres. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Mais il y a surtout des... Je sais plus où c'est peut-être en arène. Ah ben non, c'est en choc. Mais c'est facile de regarder une vidéo, de lancer son téléphone et de regarder et de dire « Ah oui, j'avais raison, c'est en choc. » Et d'après, de poser un commentaire « Non, c'est en choc. » C'est facile. Sauf que moi, pendant la vidéo, j'arrête pas la vidéo pour aller vérifier où est le personnage, tu vois. Ça sert à rien, en fait. Ça a pas d'importance. Le but de l'information, c'est de savoir qu'il est farmable. Le mec, il joue au jeu tous les jours, il va savoir qu'il est en choc et pas en raid. Tu vois ce que je veux dire? Ça a pas d'importance d'être là à grignoter sur des conneries, en fait. Pour moi, c'est des conneries, en fait. Non, je parle pas de ta remarque, hein, Kotox. Non, je vise personne en disant ça. Hein. Je vise personne, y a pas de souci. Je dis juste que j'en ai vu un ou deux qui ont dit ça en commentaire sur YouTube. Sauf que ça n'a aucun intérêt de faire des commentaires comme ça, en fait. Zéro, total. C'est genre... Déjà, si tu fais ce commentaire-là, c'est que tu n'es pas concerné par la vidéo, en fait. Je pense, à mon avis, tu vois. En fait. Et du coup, t'as pas besoin de le faire, en fait. Oui, il y a des approximations, mais bien sûr. Non, c'est même pas une histoire d'hater. Ils ont raison, les gens. Ils ont raison. Ils ont tout à fait raison de dire, non, c'est pas là, c'est là. Ils ont raison. Mais en fait, c'est pas le but de l'information, tu vois. C'est pas le but de l'information. C'est comme si je disais le virus vient d'arriver dans ta ville, le boulanger est mort et que toi t'enregistres juste que le boulanger il est mort et que le lendemain tu vas faire tes courses, tu vois. C'est pareil en fait. Ce que je veux dire c'est que le but de l'information il est pas d'en savoir exactement où on a farmé les gens. Si t'as envie de savoir où les personnages ils se farment, tu cliques sur ton personnage en fait. Tu vois, je suis pas là pour dire au gars si tu veux Fléau il est dans le choc. En fait, le mec, s'il cherche un perso, il sait où aller le chercher. C'est pas la question, tu vois. C'est pas ça le truc. Le but, c'est que le mec, il arrive, il se dit, putain, je sais pas quoi faire. Je sais pas quel légendaire me tâter. Le mec, il va trouver le légendaire. Et en trouvant le légendaire, il va voir quel personnage pour le farm. Et là, les personnages, il va aller automatiquement voir lesquels il a besoin pour aller le chercher. C'est pas parce que moi, je lui dis que c'est en choc que le mec, il va même pas enregistrer que c'est en choc, en fait. Il va même pas enregistrer que je lui ai dit que c'était en choc alors que c'était en raid. Faut vraiment avoir son tel à côté ou vraiment le connaître, être en train de le farm, le perso. Moi, faut bien se dire que la trois quarts des persos, ça fait un an que je les ai 7 étoiles. Un an que je les ai 7 étoiles, évidemment que je m'en... Fléau, je me suis trompé sur Fléau, les mecs Fléau, on l'a eu 7 étoiles le premier raid qu'ils ont sorti, le raid a duré 2 semaines, on l'avait tous 7 étoiles. Je savais même pas où il se farmait, je sais même pas où il se farme. Comment vous voulez que je sache un truc pareil? Ça fait 8 ans que je l'ai 7 étoiles le délire. C'est... Bah, évidemment que je peux pas savoir où il les farme, je me renseigne pas sur des persos que j'ai 7 étoiles. Mais par contre c'est... Pourtant c'est que les fans, évidemment ils sachent pour le cahier. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est de savoir par où aller et compagnie. Maintenant, si le but, c'est de regarder des vidéos où il n'y a pas d'erreur, les potes, ben, regardez pas YouTube, je vous le dis direct, parce qu'il y a des erreurs de partout, en fait. Ou regardez juste des reacts, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Regardez pas des vidéos informatives ou des trucs comme ça, parce que... Éteignez votre télé aussi, enfin voilà, je veux dire... Arrêtez de lire ce qu'il y a écrit derrière les emballages... Enfin, tu lis plus rien, t'écoutes plus rien, quoi, parce que des fausses informations, il y en a H24 de partout, dans tous les sens.
Sinon, t'as envoyé Greg à l'échauffement ou pas? Ouais. Je clique sur Sif depuis quelques jours pour savoir où il est, mais je trouve pas. Cette histoire de Platis, c'est un petit délire qu'on s'est fait. Mais du coup, voilà. Non, mais après, y a pas de soucis, ils ont raison. Tu vois, après, ils ont pas tort. Même j'ai mis j'aime, tu vois, leurs commentaires, ils ont raison. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a aucun intérêt. Et d'ailleurs, j'ai pas, tu vois, j'ai posé un commentaire, j'ai dit oui. My bad pour Iron Man. Après, je m'en souvenais plus, je l'ai eu 7 étoiles en août 2018, tu vois. Je m'en souvenais plus. J'ai dit my bad pour Iron Man, je me suis trompé. Mais après, j'ai pas l'histoire de lui, il est en choc, lui, il est en machin. C'est le mec, il a envie de farm fléau, il va pas aller voir sur internet comment farm fléau, tu vois. Le mec, il va arriver, il va cliquer sur son fléau, il va faire chercher. Il a pas besoin de moi pour savoir où il forme le perso. Il va pas aller en orbe de raid et dire putain, mais merde, on m'a menti, il était pas là, fléau. Bon, je vais me faire un petit thé, les potes, et puis on va s'attaquer cette petite DD3. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Et Greg, il se forme. Le tank prisé. Info US. Hop. On va essayer de pas faire tomber ça, ce sera mieux. Tac. Et je vais me faire un petit thé, les amis, pour la gorge. J'en ai pour 2 minutes. Je vous mets une petite pub en attendant. Tiens, ça fait plaisir. 4 000 € la pub. Allez, hop. Et après, je reviens. Ok. Il y en a qui ont la pub, les potes. Ah ouais, relance le jeu, bien vu. Et du coup, j'étais pas sûr de la sortir la vidéo pour deux raisons. La première, c'était très approximatif comme vidéo. Et, parce qu'au début, j'étais parti là-dessus, mais je me suis dit pourquoi pas plutôt faire quelque chose d'un peu plus. Avec des infographies et tout. Et finalement, je me suis dit non. En fait, quand je l'ai regardé, je me suis dit oh, ça va, franchement, il y a des infos. C'est plutôt correct. Et l'autre truc, c'est parce que j'utilisais des infographies de mon meilleur pote et. Et du coup, voilà quoi. Pub pour un pantalon de marque américaine.
Et dire que je vis en slip toute l'année, dire que je vis à poil toute l'année. Quand elle est là, Greg aussi. Le taxidermiste ravageur. Et du coup, voilà, mais en tout cas, je suis content parce que j'ai que des bancs. Oh la vache, profite de ton thé. Voilà pour merci, gros. Merci, ça fait plaisir. C'est la famille. On peut lui mettre du poète à cet homme-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, j'ai eu plein de bons retours par rapport à cette vidéo. C'est assez incroyable. Je suis plutôt content, quoi. En ce moment, vous avez vu le nombre de nouveaux joueurs qu'il y a sur le jeu? Ils font de la pub, là, sur Facebook et tout. Je sais pas si vous avez vu. Ils payent de la pub sur Facebook. Ça doit faire 2 semaines maintenant, là. Et, attends, je l'ai pas laissé assez longtemps, si. Ouais, ça va. Et, du coup, il y a plein de nouveaux joueurs et je suis vraiment content. Du coup, l'iPad me fait chier, maintenant, putain. Bon, on souffle quelques orbes en attendant, ou ma parole? Pas qu'on ait déjà chopé un 5RS Proxima, mais... C'est la hype de Thanos. Oh! Motherfucker? C'est bien, ça! Du Hulu! Sur leur dernier sondage, ils avaient l'air de vouloir insérer de la pub d'un MSF. Bah là, ils en font dans Facebook, là. En Facebook, ils en font. Vous l'avez pas, vous? Moi, je l'ai à bloc. Je l'ai souvent. Putain, j'ai plus de crédit d'arène. Pourtant, je fais des bons scores. C'est Lord Nord qui fait ça, tu crois? Demande des royalties. Des royales, plus loin, teases. Ça s'appelle comme ça? Ça s'écrit comme ça, les royalties? Info, il y avait les Flan qui a fait un guide débutant il y a quelques mois avec un très bonne infographie sur qui farm. Ah oui, oui. Ouais, il en fait des biens, lui. Il en fait des biens, ouais. Depuis que je suis parti chercher mon thé, tout est flou? Ben, non, j'ai le retour pourtant, tonton. Si t'es sur ordinateur, tu dois pouvoir augmenter la qualité, normalement. Les royalties, ah, je me disais aussi. Ouais, j'ai vu ça, ce que vous dites là. Il y a pubs dans le jeu, mais c'est pas ça que je parle. C'est des pubs, la publicité sur les réseaux. J'ai bu quoi? C'est flou? Mais qu'est-ce que vous me chantez là, les gars? Qu'est-ce qui est flou là? Ah non, c'est pas flou. Oh, je vois pas bien. Qu'est-ce que c'est que ce Binko? Ah non, c'est pas flou. Les gars, mais vous êtes virusés, les mecs. Oh! Vous êtes virusés, les gars. Je me suis fait un petit thé à la camomille. Ça détend. C'est vrai que c'est cool, je m'y fais petit à petit à ce thé. Mettre en 700p? Non, j'ai pas de 1080, non. J'ai pas de 1080. La différence est pas ouf, ouf. Enfin, il y a une petite différence quand même, on va pas se mentir, mais j'ai fait en sorte que ce soit presque le niveau de la 1080 en 720. Je peux pas faire mieux. Et le problème, c'est que j'ai pas la fibre. Et surtout que je suis pas partenaire Twitch. Ça veut dire que si je mets du 1080 et qu'on n'a pas le choix des résolutions, et ben on sera obligé de regarder en 1080. Donc beaucoup de gens pourront pas regarder s'ils n'ont pas la co. T'as laissé tomber le Roybos? Non, je l'ai déboîte. Tant qu'on voit le crâne briller, c'est que c'est pas flou. Première fois sur Twitch, ben bienvenue, hein, Pépé Tinx. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? On voit mieux mes poils de barbe, c'est vrai. Ben moi, je l'ai en 1080 sur mon logiciel. C'est vrai que c'est beaucoup plus propre. J'avais un bouton blanc, là. Nickel, j'ai pu me l'éclater devant l'écran tout à l'heure, là.
Et c'était parfait, quoi. Qu'est-ce que ça prévoit en choc? Je vais tenter le... Je vais tenter le 20 millions, mais j'arriverai pas... Je suis pas si viable. Je me suis maté toutes tes notes DD2. Ça fait pas mal plaisir. Minerva pété comme jamais. Ouais, t'as kiffé ou me voir rager un peu ou pas? Jamais autant péter un cap sur le jeu qu'en DD2, je crois. C'était horrible. C'était un sale moment pour moi. Il faut que tu fasses quoi pour que tu sois affilié à Twitch? Il faut qu'on ait 70 ou 75 viewers constants de moyenne. 75 constants de moyenne. En tout cas, le Discord de ton Ali est vachement bien. Ouais, non, mais c'est des énervés. Hein. C'est des énervés. Il y a tout ce que tu veux dessus. 75. Donc moi je suis à... je crois que je suis à 41 de moyenne, je crois, un truc comme ça. Ouais, sans plus. Tu pourrais avoir un mug avec tes têtes dessus. J'ai un mug Marvel Strike Force. Mais je veux pas l'abîmer, du coup je l'utilise pas, je veux pas l'abîmer. Tu es au-dessus depuis le confinement? Ouais, pour MSF, ouais, mais après, vu que je joue à d'autres jeux. Je suis pas toujours au-dessus. Ah, ouais. Elle fait péter des bons trucs, là, tonton. J'ai chaud. Non, hein. Ah, le DD3 sera un bon moment. Tu devrais faire de la pub dans le chat général du jeu pour ta chaîne. De la force à Greg. Merci Nagix, ça fait plaisir. Mais 100 bits pour le Gregus. On va lui mettre une icône à Greg, je pense. Hein. On peut lui mettre des potes à cet homme. Merci beaucoup, tonton, ça fait plaisir. Cool, je vais avoir le Magneto 5R. C'est ben GG, gros. Ah, il n'y en a plus. Ok, ça c'est pas mal. Orbe de raid alpha. Pour la ville en DD3, tu as tranché sur qui tu vas partir? Pas du tout. Je sais pas du tout, tonton. Je me suis pas encore... je me suis pas encore penché dessus, là. J'avoue que... Ouh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Ah ouais, pas con. Ah ouais, mais par contre, le problème, c'est que c'est un abo à 10 balles. C'est ça, le truc. Faut être abo à 10 balles pour l'avoir, la tête de Hulk. Il mérite son icône. Il mérite son icône. Bah, il nous régale en DD3, quoi. Il faut le dire. Il faut le dire, c'est quand même le personnage. Le perso, quoi. Ça monte, ça. Ça monte, petit à petit. Hein. C'est bon, t'es, mais au bout d'un moment, ça devient dégueulasse. Greg, le prochain légendaire. Ah, c'est bien ça, j'aime bien ça. J'aime bien quand c'est cuit. J'aime bien quand c'est cru. Mais quand c'est rassis. Pas mal là, non? Ouais, 9. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On garde, on garde. Il a géant, Craig. On pourrait le mettre à la place de quoi? Il y a quoi comme icône là? Putain, c'est chaud là. Hein,
tendu là. Le poète, le mouline et la tête. Tendu. Tendu les gars. Faut passer partenaire, on est obligé. Mouline, ah mouline, ça doit être, c'est trop utilisé mouline. Impossible. Wesh Damien, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Le chef monstre. Qu'est-ce qu'ils disent, Damien? Oh, incroyable! Putain, mais c'est dingue! Ah, le mouline, à mon avis, on va le garder. Putain, il faudrait qu'on passe partenaire. Si on passe partenaire, on peut en mettre tant qu'on veut. Ça serait vraiment top moumout. Tac, tac, ok. Tac. Après, en vrai, on peut, hein. Passer partenaire. On fait que du MSF, les potes. Comme ça, on est 80. Et roulé. La tête, ouais, à la limite. Je prépare ma team as Guardian pour le Black Bolt 6 étoiles. C'est beau, ça. On touche pas au mouline. Mouline, c'est mort. En vrai, elles sont bien, ces armes. On rigole, mais... J'aurais peut-être dû farm un peu la gamo, mais ça me gavait, j'avais pas envie. Ah, tu vois, il y a des trucs de ouf dedans. Oh. Ok, pas dégueu. Il y a un truc qu'on va faire avant que les Allemands arrivent. Tac, campagne. Tu coupes la tête de notre chef. Tac. On va farmer un petit peu de T4. Je suis obligé d'acheter des noyaux, je suis au bout de ma vie, les potes. Pas le choix. Ah, je peux plus. Ah, merde. Ah, je l'avais pas vu venir, celle-là, tu vois. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Il y a un moment, on peut plus. Quelle tristesse. Quelle tristesse dans le regard du joueur français. Je continue Disney, j'ai commencé il y a quelques jours déjà. Ça m'arrive que j'y plonge un peu dedans, ouais. Ça m'arrive, ouais. J'aime bien, il est vraiment cool. Mais j'ai pas le time, quoi. Mais il est vraiment cool. Y a pas photo. Ok, bon, on se l'a fait cette DD3 ou ma parole? Regardez où j'en suis là, il manque un item pour mon Colossus G14. Je te dis pas, on a rien de celui-là, il va chambouler des cœurs. C'est tout ce quoi. Je crois qu'il y a que lui que j'ai monté, je crois. En plus, il va passer 5 étoiles, 5 RS. Hein. 20 recharge max, je suis dégoûté, j'ai tout claqué. Ah, mais la tête de Greg, ouais, c'est pas con. C'est un MSF avec Aladdin, exactement. Exactement. C'est exactement ça. Bon, on y va? Putain, j'ai 4 millions 5, là. Petit palier 12. Ah non, pas du tout. Putain, tu peux pas charger un personnage dans Boostax en ce moment-là, c'est... Quelle angoisse. Mais sinon, les taux de drop sont infâmes. Ah ouais? Ah ouais, des équipements, en tout cas, c'est clair. Après, des persos, j'ai pas essayé d'en farm, mais des équipements, c'est clair que c'est la galère. Ok, bon, bah, let's go, les potes. Hein. Let's go. Let's go en dimension noire. Je noterai bien quand même quand on sait qu'on commence. Ça vaut pas MSF, je suis d'accord.
tu ouvres des orbes, je viens d'ouvrir des orbes, ouais. Ok, bon les gars. Il y a un moment on est là pour rigoler, il y a un moment on est là pour du beau jeu. Let's go, let's go. Je crois que j'avais chargé mes attaques à la dernière. J'avais mon Ultron, je crois. Allez, charge, on va pas y passer la nuit, quoi. Sans déconner. Ah, j'ai mis des équipements dans ma femme invisible, je m'en rappelle. Salut Shizumi, ça va ou quoi, Kizzy ? Bonjour YouTube. Je suis con, je dis bonjour, je crois que tu te dis à moi. Bon. Eh ben, c'est parti. Phoenix est fort aussi, parce qu'au moins, ça enlève beaucoup de vie. Par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Nick Fury, c'est bof plus, hein, franchement. Après, quand t'as des persos avec des stats pareils, gros. Je vais me les faire retirer, les amygdales, je pense. Au couteau suisse ou au coupon, un truc comme ça, ça va être vidu. Parce que vous en pensez, les amis. Pour ou contre l'ablation des amygdales au coupongle. Bonjour Dailymotion, quoi. Nous sommes en 95. Bonjour Dailymotion. Regarde le heal de chaque perso pour les 20, de quoi? Ah, le pourcentage de Dandy, mais c'est énorme. Au cure-dent. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? Je crois qu'on avait fait sauter... Oh, pétain, il y a une Captain Marvel! Oh, la vache! Quelle horreur, ce personnage de mort, de ses morts. Ok, tout va bien. Je suis encore en vie. Ok, ma Phoenix est morte. Non, mais je le fais, en fait. Tu vois, je le fais. Je line avec Phoenix, en fait. J'ai pas le choix. Elle sert qu'à ça, en fait. Pour de vrai, hein. Pour de vrai, elle sert juste à ça, en fait. J'hésite, là. Ça, c'est un obstruction. De toute façon, elle a provoque, j'ai pas le choix, qu'est-ce que je raconte? J'hésite rien du tout, en fait. Ok, j'ai mes invoques, les potes, j'ai mes invoques. Ah, j'en ai une de moins, deux de moins. Ok, j'en ai plus qu'une. J'ai plus d'Ela non plus. Wesh, les mecs, attendez, je mets 10 minutes à jouer pour me faire one-shot toute ma team deux secondes après. Ah oui, regardez la vie, ah oui, bien vu, oui. Ah oui, tu devais refaire des D2. Aujourd'hui, tu prendrais qui? Oh, ma team Red, je pense. Ma team Red. Je prendrais Scientifique Suprême, Shuri, Ultron. Et je prendrais genre Captain Marvel Faucon, genre, tu vois. Ah, tu... En une heure, deux heures, tu l'as fini, je pense. Tu penses quoi de Minerva, Phoenix, Colossus, CM, NF pour aider D3? C'est pas mal. NF, je suis pas convaincu, tu vois. Je l'ai. Je le trouve pas utile. Bon, enfin... J'allais dire, je le trouve pas dingue, hyper utile, mais en réalité, c'est tous comme ça, en fait. Ils sont tous one-shot, en fait. Donc ouais, pourquoi pas, ouais, ça va, c'est pas dégueu. Colossus, c'est pas déconnant, je pense. J'ai changé de placement par rapport à la node 1, moi? Ah ouais? T'es sûr de toi? Non, je pense pas. Non. J'ai envie qu'elle crève, elle. Ok. Elle est morte direct, ma Captain Marvel. Phoenix et Marvel? Bah attendez les gars, c'est dingue que vous me dites ça, parce que j'ai rien changé. Ah ouais? Mais je crois que vous avez raison en plus. Mais comment ça se fait que ça a changé? C'est quoi ce bordel? Mais c'est pour ça que je me fais défoncer! Votre chaîne? Ah non, c'est pas la mienne, celle-là. Ça, c'est ma deuxième chaîne. Loïc MSF. Playlist. Dimension noire. Ça sera incroyable ça, que ça a changé de... Mais vous avez raison en plus, mais pourquoi ça a changé? C'est quoi ce badge? J'ai rien touché moi. Bien vu les potes, bien vu.
Petit try tranquille, ouais. C'est... Non, c'est un gros try. Hein. En général, quand ça dépasse 6 secondes, c'est un gros try. Colossus à la place de Fury, c'est pas mieux ? Si, je pense que ça sera mieux. Je sais pas. Franchement, à mon avis, mon Colossus va se faire one-shot comme... Tu peux mettre même Chuck Norris, gros, il y va pas là-dedans. Note 3 en DD3, je me fais manger tous les jours. Salut Balou, ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors... Bon, on va essayer d'aller tomber la Captain Marvel. Est-ce que le placement change quelque chose ? Ouais. Je sais pas. Bah déjà, ok. Déjà, c'est la Phoenix qui est morte, c'est bien. Paf, choc à pic. Allez, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Oh, j'ai presque envie d'AOE là, je te jure. Eh, en vrai les gars, je fais pas un carnage là? Je bloque tout le monde en plus? Allez, je le tente. Oh putain, j'ai pas tué grand monde par contre. Bon, elle va. Aïe. C'est bon. Greg, protège-moi Greg. Ah merde. Oh la vache, mais Nick Fury qui sert à que dalle. C'est assez infâme. Nick Fury fait que crever. Il est 7 étoiles, je sais pas combien d'RS. Il ne sert à rien ce putain de personnage. Oh la vache. C'est la dernière vague ça? Putain, il y a une autre vague après ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en reste 5 encore après. Mais quelle angoisse. Je peux rien faire. Ah ouais, non, mais ouais, salut Tarantula, ça va ou quoi? Il avait mis quoi le Jap? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'ils ont mis les autres? Ben, Black Bolt déjà. Minerva. Science Fix Suprême, Shuri. Bon, ben, le trio gagnant, hein, les gars. Le trio gagnant, Mister Sinister, ça doit être fort aussi, putain. Black Bolt. On est là, les gars. Ah oui, je vais regarder la vie, tiens, bien vu. J'ai encore oublié. Bien cet essai? T'as bien avancé, ouais. C'est ça. Je tue deux persos, putain, franchement, top. Hein. Alors là, tu t'es déchiré, tonton. Incroyable. Et ouais, je sais, en plus, c'est ça le pire. J'ai envie de faire plus, là. J'ai envie de faire un vrai run. Mais je crois que c'est ça, le vrai run. C'est de se faire one-shot sa Phoenix. Et de passer à autre chose, quoi. On n'est plus à la première node, hein, grave. Qu'est-ce qu'il dit, King Polo, ça va ou quoi? Allez, on fait naître des péons. On est sur Phoenix, c'est bien. Voilà, parfait. Très très bien ça. Tac. Into de Captain Marvel. Into de ça. Est-ce que ça sert à quelque chose que j'invoque? Déjà. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ils vont crever, en fait. Mais focus et Greg, bande de chameaux. Ah, c'est pas mal. Ah, non. Ah, si, c'est bon, elle est encore là. Putain, tu vois, j'invoque, il meurt direct. Franchement, Ultron, c'est bof, hein, je trouve. Hein. Si t'as pas des buffs autour, c'est vraiment bof, Ultron. Ma Phoenix a même pas attaqué. En vrai, Ultron, je suis déçu. Hein. Ah, j'ai encore pas regardé la live de Cage. Putain, on va pas y arriver. Attends, je vais le mettre dans mon agenda, tonton. Tu devrais mettre Ant-Man, Rapiesseur Ravageur, Ronan Nebula et Grenade Hydra. T'étais pas mal à chaque try, franchement, t'étais pas mal. Ah, j'en ai marre. Aïe. Putain, trop de platistes. Beaucoup trop de platistes, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, j'invoque. Franchement, je vais pas invoque avec Ultron, hein, la vérité. Hein. Je vais invoquer au tour d'après, si je peux, hein, si je me fais pas one-shot par une wasp impromptue. Ce qui va probablement être le cas. Ouais, Nick Fury, tu dégages. Oh là 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 là. En même temps, est-ce que c'est grave, en vrai? En vrai, est-ce qu'on va se plaindre de perdre Nick Fury? Qu'est-ce qu'il fait, en fait? Explique-moi. À quoi il sert, cet apôtre? Là, au moins, je vais peut-être faire survivre des gens, tu vois. Ou pas, hein. Mais peut-être. On nous dit pas tout, les gars. J'ai pas envie d'invoque direct, hein. Je te jure.
J'ai pas envie d'invoque direct, parce que regarde, elle, elle les tue, en fait. Là, j'ai envie d'invoque. Si je peux, hein. Parce que là, je vais me faire AOE. Ah, c'est bien, ça. Mais bien sûr. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, les potes. Qui va mourir? Oh là là, mais ce Greg! Mais il est incroyable, ce personnage! Qu'est-ce qu'elle m'a fait, là, là? Ça a bugué, là? Oh, putain, je vais pas pouvoir Phoenix, là. Bon, c'est mort. C'est mort, je peux pas Phoenix, là. Faut que je puisse... Faut que j'arrive là, comme ça, que j'invoque et que je Phoenix, là, tu vois? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et là, ce sera un bon try. Merci Uchiha Traf pour le raid 27. Hi bro, how are you doing? Hi Leica Dreams, how are you? I'm fine and you? Thanks for the raid. Bonjour à tous, c'est des ricains les potes. Info USA. Il faut que ça pleuve, faut que ça pleuve les infos USA. Non, ils sont gentils, hein, ils sont gentils. Nick Fury, il sert à prendre un perso expertise en stuff, ouais, c'est ça. I love you, thanks bro. Did you start the DD free? Comment on dit? The Dark Dimension free? Not yet. Need more person to 14 spacey close. Ah. It's so hard, bro. So hard. But it's fun. Salut, Captain Gizmo. Ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Merci pour le follow. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, bon. Franchement, le run était pas mal. Et sinon, la live. Wesh Melvin, qu'est-ce qu'il dit? Looks hard. It's so hard. Ok les gars, tous mes persos sont en vie, je sais pas comment ça se fait. Oh, si j'arrive à poser une obstruction. Là j'invoque pas, ok, on a dit qu'on invoquait pas les gars. Ok, on est bien les potes, Tac. Oh! Incroyable. Oh le Greg, mais ce Greg! Mais il est insane ce personnage. Greg MVP quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, fais-leur du mal. Fais-leur du sale. C'est pas mal, les gars. Oh là 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 là, regardez ce qui est en train de se passer. Boum! Franchement, j'invoque ou pas? J'invoque. Et toi, je te cartonne, hein. Allez, tu dégages 275 000 pour le joueur français. Ok, d'accord, j'avais pas vu le truc venir comme ça. Il n'y a pas de wasp. Déjà, il n'y a pas de wasp, les potes. Qu'est-ce qu'on focus en premier, là? Oh là là. Luke Cage, parce qu'avec... il va sûrement provoquer souvent. On est bien, les potes. Je pense qu'on va, aller sur Luke Cage. Ah, je lui fais des dégâts. Ah, la vie de Luke Cage. Pardon. 766 000. Oh, des broutilles. Cette fois, c'est la bonne. Ouais, ouais. Combien de fois on l'a dit, ça? Qu'est-ce qu'on fait? Franchement. J'ai envie d'attendre le tour. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y aura pas d'autre arrivée, ouais. En vrai, j'ai envie d'attendre le tour, tu vois. Parce que la Captain Marvel, elle va se transformer, c'est sûr. Black Bolt, Phoenix, Ultron, Mister Sinister. They need just a little more gear for yo-yo. C'est beau. Je vais les garder, les gars. On est dans l'opti. Est-ce que je pourrais pas la contrôler un petit peu? Qui se contrôle? La Captain Marvel, plutôt? Je vais essayer de contrôler la Captain Marvel, les gars. J'aimerais bien descendre les tanks, en fait.
Oh là là, mais ce Greg! Il est incroyable, ce personnage. Greg MVP. Est-ce que je lui pose main noisy, hein? Oh, oh shit. Oh, calme-toi, calme-toi. Oh la vache! Qui a disparu chez moi? Ah bah là, tout le monde va disparaître, je crois. Franchement, je le garde, le run, je vous le dis, je le garde. Oh là, ils sont en train de me décimer toute ma team. Oh, mais ce Greg, il est incroyable. Matez le Greg, les gars! Oh non! Dommage. Il est incroyable, ce perso, je te jure. Je gratte, j'aurais fait sauter le... des pas mal de trucs. Hein. Et franchement, c'est beau. Franchement, on prend, il est magnifique. Ouais, ça, elle est plutôt bien, ouais. Greg, c'est le meilleur tank du jeu. Nice damage, thanks you. MVP Greg, bien sûr. Non, je vais pas réa, j'ai déjà plus de... Oh, les gars! Nice try! 5,019,000 le try! Je crois que c'est le moment de faire un truc vraiment... vraiment... comment on dit déjà? Vraiment bof. Franchement, c'est ton run était comme ça. Très très bon run. 5,019,000, franchement, c'est beau. Je suis content. Finish him. Ah, je peux pas, j'aurais plus de noyau pour refresh ce soir et la truc. Yes, oui, Eric. Ah, je crois que c'est le plus beau qu'on ait fait sur ce node, les gars. En vrai. Tu dois le faire en combien d'attaques? Oh, il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas d'attaque. Oh merde. Il n'y a pas d'attaque minimum à faire ou quoi que ce soit. Tu le fais. Tu le fais quand tu peux, quoi. Ben Vega, merci d'être passé, tonton. Tu le fais comme tu peux. Ok, les potes. Eh ben franchement, je suis bien content de ce petit run. On va se faire les deux dernières attaques de raid. Et puis, on va aller se coucher. Et manger aussi. Parce que je n'ai pas mangé. J'avais pas faim. Et là, vous me donnez la dalle, les gars. Avec tous ces Greg, tous ces... Oh, il y a un moment, ça me donne la dalle. Il reste 7 millions, c'est jouable, ouais, je pense. Bah, demain soir, peut-être, maybe, les gars, si vous êtes chaud. Vous êtes chaud? Demain soir, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous demain soir. On se le tente? On tente le partenariat Twitch Marvel Strike Force tous les soirs. 80 personnes minimum. Je me suis fait un petit barbecue. Tu me dégoûtes. En vrai. Est-ce que tu vas pas te tuer tout seul, toi? C'est ce que je me disais. Ouais, mais c'est bien de faire un peu de dégâts comme ça, un petit 5 millions en DD3. On est quand même dans la vérité vraie, quoi. Je t'ai gardé une saucisse. Merci, tonton, ça fait plaisir. Korat, ça va dégager en 2 secondes, ça. Je peux pas me les encadrer, ces Korat, là. Tiens, tu dégages. Il y en a un, là, sur la node Ronan, là, en U7. Je peux plus me l'encadrer, ce Korat. Je te jure. Je peux plus me l'encadrer, ce Korat. C'est une horreur, le bordel.
Demain soir, on prend les mêmes heures. Ouais, Cherry Cassidy, ben, je viens de faire un petit run des Détroits assez magnifique, plus de 5 millions de dégâts. Et à la hauteur de mon talent, j'ai envie de te dire. Ça, on a eu un petit 5RS Proxima. Bon, on a été 80 à moulinet, tonton. 80 à moulinet, forcément, ça pèse un petit peu dans la balance. Et ça, ça fait quand même pas mal plaisir. Hop, on fait celle-là et roulez. Et roubab. Putain, mais pourquoi je suis tout constamment déco de... Quoi ce bordel, là? J'ai fait une vidéo où j'ai eu 3000 vues en 24 heures par rapport à mon sport. Ah ouais, putain, c'est beau. Alors, en termes de référencement, le référencement, c'est... C'est la moyenne de visionnage, la durée de visionnage et ça c'est important. Après les vues c'est important, mais c'est pas le premier truc qui te regarde. Sa durée de visionnage, la moyenne de visionnage, les trucs comme ça, c'est très important. Les commentaires et les likes. Les commentaires, pardon. Et les likes, oui. Un petit peu. Merci d'être passé, Yoel, ça fait plaisir. À demain, Dams. Merci d'être passé, les potes. Bonne soirée à vous. Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. À demain pour le pardon. Mais oui, sinon, 3000 vues, c'est sûr que c'est bien. Ouais. Putain, en 24 heures, c'est énorme. Moi, j'ai aucune vidéo qui fait ça. Ce qu'il faut, c'est que tu la monétises, ta chaîne. Ça, c'est important, parce que quand t'es monétisé, t'es beaucoup plus mis en avant aussi, par YouTube. Très important. Ouais, peut-être plutôt taper des DPS là vite fait, non? Qu'est-ce t'en penses toi? Qu'est-ce t'en dis toi? J'ai 14.9k point chauve. Prépare-toi psychologiquement à choper le kit CTRS. Vivement la mise à jour pour le boostac. Vous savez quoi? Je vais lui envoyer un message vite fait à Kelly. Comme ça va être vite vu. Ah, le nombre d'indestructibles qu'elle a, ma scientifique suprême, laisse tomber le délire. On va lui envoyer un petit message, vite fait. Ben Wells, merci d'être passé ton temps. Ouais, je vais lui envoyer un petit message. Je lui enverrai un petit message, comme ça, je vais lui dire que s'ils peuvent regarder, ouais. Parce que ouais, c'est un peu relou, j'avoue, ouais. Bah après, quand tu redémarres le logiciel, moi, ça marche. Mais des fois, c'est un peu ouais, c'est un peu la galère. Des fois, c'est un peu la galère. Salut, Soif. J'aimerais avoir une team super vilain cosmique et mystique pas cher pour les campagnes. Ça fait beaucoup de prérequis, ça. Ah, tu veux dire à une de chaque? Ok, les raids c'est fini. On va aller voir ça de suite, tonton. Parce que ça a bien évolué, je pense, depuis l'époque.
Ça a dû bien évoluer, je pense, depuis l'époque. Super vilain, tac, super vilain. Qu'est-ce que je peux te conseiller pour faire de la campagne super vilain? Si j'arrive à me co, bien sûr. Hein, parce que BlueStacks, c'est en PLS total. Ultron. Ouais, je sais, j'ai de l'humour. En pas trop dur à avoir. Thanos, déjà, tu peux prendre. Mystique, c'est pas déconnant. Non, non. Putain, mais qu'est-ce qu'il me fait, BlueStacks, là, please? Ah, ça dépend ton niveau dans le jeu, gros. Hein. Ça dépend où t'en es dans le jeu, en vrai. Hein. C'est compliqué, là, de faire une team comme ça, là. Il y a plein de persos bien, en fait, tu vois. Tu peux y aller avec des Sinister Six. Tu vois, t'as le lieutenant mercenaire aussi qui est farmable tôt dans le jeu. Je pourrais pas te dire quelle team est parfaite, tu vois. En tout cas, t'as quand même pas mal de choix de personnages qui sont intéressants après, tu vois. Tous ceux que j'ai up, moi, à partir de 40K, là, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller en vrai. Hein. Tu peux faire du Sinister Six, tu peux faire du. Sinister Six, tu vas vite les avoir. Hein. Les AIM, ouais. Les Sinister Six, tu vas vite les avoir. Hein. Tu vas vite devoir les farm. Donc, autant les monter direct. Hein. Parce que tu vas t'en servir pour aller chercher tes légendaires. Donc, c'est des persos que tu vas farm et au moins monter G8. Tu vois, comme ça là. Au moins G8. Donc, tu vois, à 150K. Au moins à 150K si tu veux tes Invisible Woman et Shuri 7 étoiles. Donc, autant aller chercher ça et voilà. Après, je sais pas si ça va être top pour la campagne, mais tu peux gratter dedans. Hein. Une Minerva, ça sera forcément plus fort que ça. Si tu arrives à l'avoir à un moment donné. Hein, il n'y a pas grand chose hein, quand même. On va pas se mentir. Hein. C'est pas la joie du heal. Hein. C'est quand même pas la joie du heal. T'as des cris aussi, tu vois. Il est en PLS BlueStacks depuis la mise à jour. Hein. Mais de toute façon bizarre, il marche bien plusieurs heures et d'un coup. Catatonie. Ouais, c'est un peu ça. Donc voilà, tu vois, je pense que t'as pas mal de choix en vrai. Mais vu que t'es Sinister Six, tu vas vite les up. T'essayeras juste d'enlever Mysterio pour mettre autre chose qui te fera tanker ou Thanos ou un truc comme ça, tu vois. Dis-moi, j'ai passé mon premier G14 qui est CM, c'est beau ça. J'aimerais savoir lequel tu me conseilles pour commencer la DD3. Moi, je peux te donner ma team si tu veux, tonton. Après, y a des G14 que je peux te conseiller, il y en a plein. Moi, ma team. Global, du coup. Non, pas global. Cosmic, c'est Ella, Invisible Woman, Minerva, Captain Marvel, Loki. Voilà ce que je vais monter parce que tout est utile pour la suite. Ensuite, tu m'as dit quoi comme autre team? Mystique. Ah, Cosmic et Mystique. Cosmic, elle est pas trop dure. Hein. Cosmic, elle est pas dure. Tu vas pas galérer à la passer, je pense. Au bout d'un moment, t'arrives à la passer en fait. Ah, Cosmic, t'as plein de persos, tonton. Déjà, t'as ta Mingot, tu vois. Il y avait la Mingot, là. Bah, tu vois, avec ta Sinister Six que t'as utilisé pour ta super vilain, tu vas pouvoir up ta femme invisible. Ça, tu l'auras tôt. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi, tu l'auras tôt. Bon, après, ça, c'est pas terrible de le monter, peut-être. Ça va dépendre un peu de TRS. Mais là, t'as la Mingot qui est dispo direct. Bon, après, il y a Star-Lord dedans, mais tu le remplaces au pire. Hein. Au pire, tu le remplaces. T'as Minerva aussi. Tu remplaces les deux, quoi. Tu mets Gamora et je sais pas quoi. Tu mets deux autres trucs. Gamora et Mantis, tiens. Mantis, très bien. Pour les premières notes sans restriction, est-ce que la team que tu utilises, tu l'aimes pour le moment ou tu changerais quelque chose? Pour l'instant, j'aime bien et je changerais bien Minerva. J'enlèverais bien Nick Fury pour Minerva. Clairement. Ça, c'est clair et net. Ça serait complètement différent. Là, par contre, c'est un peu plus chaud. Gamora reste cheap à monter pour aller chercher Star-Lord, mais grave, grave. Même si elle est aussi solide qu'une biscotte. Oh, au final, tu t'en sers un peu, mine de rien. Bon, là, t'as de l'Asgardien. T'as de l'Asgardien. Ça, tu vois, tu l'as très tôt. Ça aussi, tu l'as très tôt. Putain, mais qu'est-ce que ça lag le jeu? Ça, c'est facile à avoir. Ça aussi. Ouais, pas beaucoup de persos que j'ai up là. Hein. Il y a beaucoup moins de persos là. Hein. C'est beaucoup de l'Asgardien.
un petit Thanos. Toi, tu peux vite trouver un moyen de passer quelque chose comme ça, tu vois. Bon, Yondu, c'est vraiment pas dingo, mais... Mais tu peux mettre Iron Fist, comme ça, au moins, il se heal. Et tu te fais pas défonce. Essaye ça, essaye ça. Après, il faut pas trop se casser la tête sur la campagne. Au bout d'un moment, tu pourras, en allant chercher tes légendaires, en augmentant certains personnages. Tout ça, au bout d'un moment, t'arriveras tout simplement, en fait, à aller chercher ce que t'as besoin d'aller chercher. C'est quoi ce bord? Oh, saison de raid est ouverte. C'est qui mercredi en choc? Ouais, c'est SS, ouais, je crois, ouais. En tout cas, c'est cette semaine, il y a une SS, c'est sûr. Bon, les potes, on va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là, puis après un run comme ça de la DD3, j'ai envie de te dire, on est quand même... Un petit 5 RS Proxima, la totale. Les potes, je vous remercie, merci pour les abos, merci pour les... pour tout. Je vous rappelle que... sur ma deuxième chaîne... Il y a des petits problèmes de graphisme, mais que là, je vais régler ça d'ici la semaine prochaine. Donc, ce sera OK. On se retrouve, quoi qu'il arrive, mardi soir. Peut-être avant, je ne sais pas, parce que je suis un peu malade. Je vous dirai quoi. Merci à tous, merci pour les abos, merci pour les dons. Merci pour avoir été là, les potes, c'est la famille, ça fait plaisir. Je vous mets une petite pub avant de quitter. Et puis voilà, si ça fait plaisir sa famille, moi je vais aller manger un petit bout. Je vous souhaite une bonne soirée les amis, une bonne nuit, et on se retrouve probablement demain et au pire mardi pour un bon petit live DD3. Ça va être la famille et ça va être de la performance de Grégus, quoi. Le Grégus, les gars, la perf du Grégus, les gars, c'est le Grégus. Tout le monde vient pour voir Grégus, en fait. Il est en train de me voler la vedette, ce bâtard de Greg, hein. Ça va pas le faire, hein. Ça va vite, je dois le touch, ça. Où ça? Je vais devoir le défoncer, en fait. Une bonne soirée, les potes, une bonne nuit à ceux qui vont se coucher, bon app à ceux qui vont manger, à demain, bonne soirée, ciao les potes, merci à tous, ciao.